c'est Gustave Verrier, 7 rue des... Ah oui, tu l'as toi ? Il l'a. Il l'a. Attention, c'est celle d'un éminent directeur de recherche. Ah bah c'est bien, il y a de la place là-haut aussi. C'est 180 places avec les côtés. Bien. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer tranquillement. On va être rejoint par Philippe Daubignard, DGA adjoint, dans quelques minutes ou dizaines de minutes, parce que je crois que la circulation autour de Paris n'est pas simple. Nous, on va démarrer. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu le programme de la matinée. Voilà, parfait, très bien. Donc l'introduction, donc c'est Philippe Daubignard, donc le DGA adjoint qui va la faire. Si jamais on devait intercaler les choses différemment dans le programme, ça sera un tout petit peu plus tard dans la matinée, mais ça se fera. On démarrera donc ensuite par les actualités et évolutions de monlycée.net. On en a plein en prévision. Une intervention de Serge Abitboul qui va nous inspirer sur le thème de l'intelligence artificielle, qui fera en plus la liaison avec la blockchain, sur laquelle nous on a du coup découvert une petite pépite, une start-up francilienne qui s'appelle Standblock, qui développe des applis et en même temps qui cherche à faire connaître la blockchain. Donc on a un concours, un lycéen fil rouge pour la semaine qui va nous permettre de toucher les lycéens à la fois sur l'IA et la blockchain. On vous en parlera juste après. Et en fin de matinée, donc le DGA, là pour le coup pas adjoint, DGA tout court, Patrick Tonda nous rejoindra pardon. Pour annoncer les résultats des appels à projets LycéeUp, qui est un nouveau dispositif. L'année dernière, vous aviez vu apparaître l'e-store, qui vous donne de l'autonomie sur la façon de gérer vos établissements du point de vue de l'équipement numérique. Donc beaucoup d'autonomie autour de ça. On vous donnera quelques nouvelles aussi sur l'e-store et des équipements qui vont rentrer très bientôt dans cette brique. Et donc, du coup, en plus de cette partie qui est, on va dire, le socle qui vous permet d'avoir de l'équipement, on cherche aussi à vous donner de l'autonomie sur la façon de gérer des projets particuliers liés au numérique. Et ça fait l'objet donc d'appels à projets qui vont être institutionnalisés, c'est-à-dire que tous les ans, voire cette année deux fois, on vous lancera des appels à projets pour effectivement faire en sorte que on puisse à la fois voir nous du côté région et à la fois vous aider vous localement à développer vos projets numériques. Donc il s'agissait cette année de LycéeUp, donc lycée avec une augmentation de ce lycée par le numérique.
Voilà, donc j'ai fait, le tour du programme. On va pouvoir démarrer sur les actualités du pôle lycée et notamment les évolutions de Molissi.net. Je vais passer la parole à Guy Darol, le fameux Guy Darol, directeur de projet Molissi.net. Bon, bonjour à tous, on va essayer d'avancer le plus vite possible ce matin parce qu'on a beaucoup de choses devant nous. Donc je vais passer la parole à Thomas Lecoq de chez CGI qui va nous parler des dernières évolutions de Molissi.net. Il va en sortir cette semaine, mais il en sortira aussi à la fin du mois. Alors bonjour à tous, donc dans un premier temps... Donc on va parler des évolutions de la messagerie. La messagerie, c'était des évolutions qui étaient très attendues et beaucoup demandées par les utilisateurs. Donc peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais déjà depuis la rentrée scolaire, on a un nouveau moteur de messagerie qui a été mis en place sur Molissi.net. Donc pour vous, l'interface n'a pas forcément changé, mais derrière, on a déjà commencé à travailler techniquement pour imbriquer ce qu'on appelle le moteur Zimbra, puisqu'on va passer sur une messagerie Zimbra. T'arrives pas à projeter ? Ça va arriver. Tout petit peu de patience, ça arrive tout de suite. Hop, c'est bon, c'est arrivé. Alors, ce qu'on va, en termes de terminologie, en fait, on va employer deux termes qui vont être, on va dire, la messagerie simplifiée avec une vue aujourd'hui intégrée telle que vous la connaissez, et plus une messagerie avec interface expert que je vous présenterai par la suite. Donc, comme je vous l'indiquais, effectivement, depuis la rentrée scolaire, déjà derrière cette vue simplifiée, on a le moteur Zimbra. Donc, tu peux tourner. Tu veux, si je peux cliquer, sinon. Donc, on va laisser le choix aux utilisateurs ensuite. Donc, c'est une évolution qui va arriver avec la version 3.4, donc qui va être mise en production tout début avril. Et en fait, on va laisser le choix aux utilisateurs de pouvoir choisir de continuer à utiliser soit cette vue simplifiée, puisque certains sont très satisfaits aujourd'hui de l'utilisation et de l'affichage de la messagerie, soit de basculer vers un petit peu ce qu'on appelle la vue expert et qui va vous offrir toute une panoplie de possibilités telles qu'offrent aujourd'hui tous les standards de messagerie. Donc on n'a pas oublié les utilisateurs, donc on a beaucoup de slides, il y a certains que je vais passer très vite puisque c'est assez détaillé, mais je vais quand même parler. Donc on a quand même pensé aux utilisateurs qui vont vouloir continuer à utiliser un petit peu cette version simplifiée de la messagerie, et on a fait quelques petites évolutions dessus. Donc notamment on met en place la copie cachée, donc ça on sait que c'est très attendu par beaucoup d'utilisateurs, notamment des chefs d'établissement, puisqu'aujourd'hui un utilisateur peut reprendre des listes de diffusion et des messages s'il a été mis dedans. Donc par exemple, un parent qui en a envoyé un message peut répondre à tout le monde, donc c'est un petit peu gênant, alors qu'aujourd'hui avec la copie cachée, quand on va vouloir faire des communications à tous les utilisateurs, voilà, au moins on cloisonne un petit peu la portée des messages. Et on va faire évoluer également un petit peu... Si tu peux revenir sur ma presse, je ne peux pas bouger sinon. On va faire évoluer un petit peu aussi le look de cette messagerie simplifiée, puisqu'aujourd'hui, c'était qu'une vue lisse sur laquelle on cliquait sur des messages, ça ouvrait les messages, on avait les options qui allaient bien. Là, on a mis une évolution qui s'appelle la vue scindée, c'est-à-dire qu'on peut garder soit la vue simplifiée en liste telle qu'on vous l'a présentée, soit avoir une vue scindée comme on peut avoir sur des messageries, avec à gauche la liste des messages et à droite les contenus des messages qui s'affichent au fur et à mesure. Donc ça, en termes de navigation, ça facilite grandement la vie des utilisateurs. C'est vrai qu'on peut faire des filtres, on a tous les messages qui s'affichent et on peut cliquer, aller à la suite des messages les uns des autres et faire les actions qui vont bien sur un ou plusieurs messages. On continue. Donc ça, c'est la vue, ça tu peux passer tout ça, c'est toutes les petites options, c'est tous les détails, mais ça c'est des choses que vous connaissez déjà dans Molissi.net. Alors on va laisser la possibilité aux élèves, aux enseignants et au personnel d'établissement
de soit rester sur cette vue scindée, soit passer sur ce qu'on appelle le mode expert. Donc, je n'ai pas cité les parents exprès, puisque les parents, en fait, on ne les laisse que sur cette vue simplifiée. Parce que pour eux, la région a décidé que cette messagerie était amplement suffisante pour l'usage des parents. Donc, on les laisse vraiment sur cette vue simplifiée. Mais tous les autres profils utilisateurs vont avoir la possibilité d'utiliser le mode expert. Donc, le mode expert, déjà, ils vont avoir un bouton sur la page de la vue simplifiée. Il faut revenir en arrière, pardon. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accéder ponctuellement. Donc, si vous voyez bien en bas à gauche de la maquette, on a un petit bouton qui directement permet d'accéder au mode expert. Donc ça ouvre le webmail Zimbra que je vais vous présenter par la suite. Mais vous avez également la possibilité de paramétrer la messagerie pour que dès que vous cliquez sur le petit icône qui est dans le bandeau en haut sur la messagerie, vous accédez directement à la messagerie complète Zimbra. Donc ça, c'est un paramétrage qui va se faire dans mon compte. Vous allez avoir une petite case à cocher avec « je souhaite avoir le mode expert par défaut ». Et donc, on parle de ce mode expert, mais qu'est-ce que le mode expert Zimbra? On y va. Vas-y. Encore. Alors voilà, ça va s'afficher comme ça. Donc, c'est une messagerie, on va dire, avec les standards de messagerie tels que vous connaissez. Ceux qui connaissaient la V1 de monlycée.net avaient déjà cette interface Zimbra en messagerie. Donc la région a émis le souhait de proposer à nouveau toute cette utilisation de la messagerie. Donc vous allez recevoir tous les standards de messagerie, la création de dossiers, la création de tâches, la gestion des contacts, les calendriers, les tâches, toutes ces choses-là, vraiment, ça va vous être offert directement et intégré dans la messagerie avec notamment aussi... pas mal de préférences, notamment les accusés de réception, les accusés d'envoi, les messages d'absence, la délégation de compte, toutes ces choses-là, voilà, c'est des choses que vous allez avoir la possibilité d'utiliser dans cette interface de messagerie. Donc, le dernier point qui est intéressant, ça c'est une présentation de toutes les options, on ne va pas vous détailler, mais le dernier point aussi qui va être intéressant avec la mise en place de cette messagerie, c'est qu'on va donner la possibilité aux établissements d'ouvrir la messagerie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on est dans une messagerie cloisonnée avec des règles de communication que vous définissez au sein de votre établissement. Désormais, dans la console d'administration, donc les administrateurs locaux, en accord forcément avec les chefs d'établissement, vont pouvoir désigner des groupes d'utilisateurs qui pourront du coup envoyer des messages vers l'extérieur, mais également recevoir des messages depuis l'extérieur. Donc c'est un paramétrage qui peut se faire très finement. Donc c'est vous qui décidez à quel profil d'utilisateur ou même à quel groupe d'utilisateurs vous voulez le faire. Je prends un exemple d'un établissement avec un enseignement supérieur. Si vous voulez donner par exemple l'ouverture de la messagerie qu'aux élèves des enseignements supérieurs, vous pourrez. Vous avez tous les groupes d'utilisateurs qui sont proposés au même titre que lorsque vous naviguez dans la console d'administration. Donc ça, c'est vraiment vous qui avez la main dessus. Et dernier point important, c'est-à-dire le branchement de la messagerie en IMAPS SMTPS. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de brancher désormais la messagerie de l'ENT dans un autre client de messagerie. C'est-à-dire que si vous avez un Outlook, par exemple, sur votre lieu de travail, vous pourrez brancher dessus la messagerie de l'ENT. Vous pourrez brancher dans la messagerie de l'ENT un autre compte de messagerie, typiquement vos adresses académiques. Vous pourrez récupérer vos mails académiques directement depuis l'ENT. Et vous pourrez également, par exemple, brancher la messagerie sur vos jouets, sur les petits jouets mobiles, que ce soit tablette, smartphone, pour pouvoir récupérer directement les mails sur vos téléphones ou sur vos appareils mobiles. Donc ça, c'est une première évolution qui arrive du coup avec la 3.4 en début avril. C'est une grosse évolution du coup sur laquelle on travaille déjà depuis presque un an, même si depuis septembre, c'est un petit peu invisible pour vous, mais là, vous allez vraiment voir le fruit des travaux qu'on a réalisés. On va parler aussi de... Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait parlé aussi, ça j'ai pas de slide dessus, mais l'intégration de LibreOffice Online. Donc ça, pareil, avec la 3.4, donc vous n'allez pas tous le voir tout de suite. La région va définir pour l'instant un certain nombre d'établissements pilotes, mais l'intégration de LibreOffice Online directement dans l'espace documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir désormais des options lorsque vous allez naviguer dans l'espace documentaire. Si vous êtes sur un ordinateur, par exemple, vous n'avez pas de licence Office, bah vous allez pouvoir directement quand même ouvrir des documents Word, Excel, PowerPoint, toutes les extensions Office. Vous allez pouvoir également créer des documents,
que ce soit du texte, tableur, dessin, présentation, tout ça directement intégré dans l'espace documentaire. Donc ça, c'est quand même, on parlait à un moment de visionneur, là ça va au-delà des visionneurs, ça vous permet vraiment d'ouvrir les documents sur ces formats-là. Et l'autre petit point aussi, c'est que vous allez pouvoir faire du travail collaboratif, en mode synchrone, c'est-à-dire que directement, également depuis l'espace documentaire, vous allez pouvoir créer des documents, mais en les partageant, vous allez pouvoir travailler dessus à plusieurs mains, avec visionnant directement ce que peuvent faire les autres utilisateurs, les modifications qui sont apportées, tout ça en temps réel et directement, je le rappelle, intégré et enregistré dans l'espace documentaire. Très bien. Donc un petit rappel sur Sculptoring qui avait été développé l'an dernier à la suite de l'opération Code ton lycée. Elle existe, on en parle un petit peu et puis on passe encore à la suite. Alors Sculptoring, pour rappel, historiquement, c'était application lauréate du Grand Hackathon l'année dernière de la région Île-de-France. Donc c'était une application pensée par les lycéens, pour les lycéens. Le pitch principal de cette application-là, en fait, ils avaient pensé à une application de tutorat entre élèves. Donc c'est les élèves qui vont demander de l'aide à d'autres élèves au sein de leur établissement via l'application. Et donc il y a toute une gestion de mise en relation qui est faite via cette application-là. Et toutes les applications se servent, on va dire, de tout ce qui est de toutes les données de monlycée.net directement remontées depuis l'annuaire. Donc là, on peut voir quelques écrans de Sculptoring, à savoir que cette application est déjà développée, déjà déposée sur des stores de tests, est en cours de recette, pour passer très rapidement bientôt en pilote avec les deux établissements qui avaient forcément gagné le Grand Hackathon. Donc, et Louis Bascan. Ouais. Je reviens juste sur le précédent. Ouais. Alors oui, c'était lycée Saint-Germain et lycée Louis Bascan. Donc là, par exemple, ce sont les écrans où, lorsque les élèves se connectent pour la première fois, on a l'interface, ils vont forcément renseigner leurs points forts, leurs points faibles. Vous avez sur une dispo aussi les jours où ils sont disponibles. Donc on le voit sur ces écrans-là. Et ensuite, une fois que les élèves ont rempli cette partie-là, il va y avoir le processus de mise en relation. Donc ils vont pouvoir soit demander de l'aide, soit proposer leur aide. Et en fait, en fonction des demandes qui sont faites, au début, il y a... Donc les demandes sont envoyées et on a tout le processus de mise en relation. C'est-à-dire que les élèves, une fois qu'ils sont mis en relation, vont pouvoir dialoguer entre eux, vont pouvoir échanger des messages. Mais c'est-à-dire que si moi, j'envoie une demande de mise en relation, il faut que l'élève aussi en face accepte. Il n'y a pas de mise en relation automatique. Donc il faut vraiment qu'il y ait une validation des deux parties pour que ce soit validé. Voilà. Et ensuite, par la suite, on voit, c'est un exemple, une mise en relation qui était faite entre les élèves. Donc on a une messagerie instantanée, en fait, là, qui est directement intégrée à l'application. Donc c'est une messagerie synchrone, c'est-à-dire comme un chat, où les élèves, du coup, peuvent dialoguer entre eux, peuvent se mettre d'accord sur les horaires, sur des jours sur lesquels ils veulent se rencontrer pour pouvoir s'entraider. Donc voilà, ça c'est la philosophie générale de l'application Sculptoring qui avait été pensée par les élèves et qui va bientôt être déployée en production. Très bien, très attendu aussi, une application généraliste cette fois-ci, une application pour smartphone généraliste de monlycée.net dans laquelle on va retrouver un certain nombre des modules les plus utilisés de notre super ENT. Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur une application spécifique avec un besoin spécifique pensé par les élèves, mais on a aussi beaucoup de demandes sur à quand l'application mobile monlycée.net. Donc celle-ci arrive très bientôt. Elle est en cours de finalisation sur une V1 et va être mise en production soit fin mars, soit courant avril. Donc vous pourrez l'avoir à disposition très bientôt. Donc en tant que périmètre fonctionnel, pour l'instant, ce que va proposer l'application. Donc tout ce qui va être connexion, on pense aussi forcément aux utilisateurs qui n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux. On se rend compte que les usages sur les tablettes et sur les appareils mobiles représentent presque maintenant 50% quand même des connexions à l'ENT. Donc forcément l'application va gérer tout ce qui va être première connexion à l'ENT. Et donc en tant que module fonctionnel, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir forcément la messagerie. Donc la messagerie qui va être aussi branchée avec Zimbra.
Donc pouvoir rechercher, envoyer des messages, recevoir des messages. Donc ça, ce sont pareil, ce sont toutes des petites copies d'écran que je pense qu'on pourra vous mettre à disposition. Les actualités, donc consultation des actualités qui sont publiées. Les blogs, donc consultation des blogs et pouvoir commenter les billets. Donc là, on est sur, on est sur tous les modules communication. L'espace documentaire, pouvoir importer, partager des documents, tout ce qui est gestion de dossiers. La page d'accueil de l'application, donc on l'a pensé pour avoir également le fil des nouveautés qui apparaît au même titre que celui que vous avez sur le ntmonlycée.net, la version web, avec également un paramétrage des fils qui vont apparaître sur votre fil de nouveautés. Le menu qu'on a mis en bas, donc les boutons d'accueil, un accès direct à la messagerie, un accès aux applications et un accès à la page profil. Donc dans un premier temps, là, la page profil n'est pas modifiable, mais dans une version très prochaine, vous pourrez modifier les informations qui sont contenues dans le profil. Donc l'activation de compte, la première connexion, ça je vous en ai parlé. Les notifications, donc effectivement, un avantage aussi d'avoir une application mobile, c'est que vous allez pouvoir être notifié de tous vos contenus qui vous sont partagés. Et bien sûr, vous allez pouvoir le paramétrer pour savoir quelles notifications vous souhaitez ou non avoir sur votre appareil mobile. Comme je vous ai indiqué, l'affichage du profil utilisateur. Une méthode d'assistance ONT donc pour remonter des éventuels incidents directement depuis l'application mobile. Donc à savoir que c'est les incidents que vous remontez là, ça remonte dans le module assistance ENT de l'application web telle que vous connaissez aujourd'hui. Ça ne remonte pas directement au support ENT qui est géré par CGI. Et enfin, un accès direct connecteur Pronote, c'est-à-dire que pour les établissements qui utilisent Pronote, vous avez le connecteur qui est directement activé et les utilisateurs, en cliquant sur l'icône, vont pouvoir accéder au site mobile sans avoir besoin de s'authentifier, même pas une première fois. C'est-à-dire comme aujourd'hui sur la version web, on a le lien qui est fait directement. Et le connecteur, ça j'allais y venir, effectivement, le connecteur pour la vie scolaire.fr est en cours de développement et va arriver dans un prochain temps. Et ça c'était les méthodes de récupération et de mot de passe. Voilà, ça c'était pour la présentation rapide de l'application mobile qui arrive normalement le mois prochain. Merci Thomas. Voici pour donc les évolutions à venir à très court terme. Donc pour School Touring, nous, on pense déployer l'application sur les stores. Elle sera toujours en bêta, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y a un petit souci d'accès, même aux deux lycées qui étaient expérimentateurs. Quand on est vraiment sur les stores de bêta test, c'est pas tout à fait simple. Donc on va le faire, là, on va le mettre en ligne dans très peu de temps. Et on aura une version définitive accessible, évidemment, à tous les lycéens au mois de septembre. Pour les évolutions Zimbra, je crois que c'est dès la semaine prochaine ou... ouais, donc un petit peu après, donc la semaine d'après. Et en ce qui concerne l'appli mobile, ce que vous avez vu là, c'est des vues en fait d'un projet qui est celui de Paris. Et on a notre propre projet qui est aussi verra le jour plutôt en septembre, avec des technologies qui sont très très actuelles, mais on est encore en cours de discussion. Les vues que vous avez là vont évoluer et on vous donnera des nouvelles très rapidement à l'intérieur de notre ENT préféré. Donc on va passer maintenant à un petit temps d'inspiration avec Serge Abitboul, en sachant que dès que notre DGA adjoint arrive, on pourra parler des journées franciliennes et de ce lancement, parce que pour l'instant, j'ai rien défloré de ce qu'il avait envie de dire sur ces journées qu'on va instituer et qu'on va ancrer dans le paysage des événements sur le numérique éducatif. Donc, on passe à l'intervention et à la fin de l'intervention, je pense qu'on aura une intervention de Philippe Daubignan.
Bonjour, je suis la présentation inspirante. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Donc je vais parler d'intelligence artificielle, mais je vais aussi parler de données numériques, parce qu'on va voir que, vous l'avez déjà entendu, la matière première pour l'intelligence artificielle, c'est quand même les données. Alors les données, ce n'est pas un truc d'hier matin, les tablettes sumériennes, l'imprimerie, et puis depuis le milieu du siècle dernier, la numérisation de la donnée qu'on retrouve un peu partout avec cette science, cette technologie qui permet de faire fonctionner tout ça, que sont les ordinateurs. Alors j'ai ici une diapo qui montre un peu les masses de données. C'est 2017, mais enfin, en gros, à chaque fois qu'on redonne des chiffres, ils changent tout de suite, donc ce n'est pas la peine de se fatiguer trop. J'en retiens quelques-uns. En 2017, il y avait 3,5 millions de requêtes Google par minute. Donc vous voyez un peu le travail pour répondre à toutes ces questions. Les questions que vous posez sans arrêt, il y en a 3,5 millions dans le monde. Les vidéos, 4 millions de vidéos par minute. C'est des sommes considérables. Moi, il y a des chiffres qui me plaisent plus parce que bon, les moteurs de recherche, c'est bien, etc. Je suis un gros utilisateur de Wikipédia. Il y a 5 millions d'articles. Il y avait 5 millions d'articles en anglais et 2 millions en français. Donc, on est dans des masses de données absolument considérables. Et quand on regarde Wikipédia, des masses de connaissances considérables. C'est-à-dire que les connaissances que vous avez dans Wikipédia, c'est véritablement massif. C'est beaucoup plus que ce que vous aviez dans une encyclopédie papier en 20 volumes au siècle dernier. On continue. Donc la première chose qu'on va faire avec ces données, c'est un peu historiquement, c'est l'analyse de ces données. Alors historiquement, ça a commencé avec le père Buza, je crois, au milieu du XXe siècle, qui analysait les textes de saint Thomas d'Aquin. Mais maintenant, il y a de plus en plus de données. Alors, on parle des 4 V pour retenir un peu une image de la situation. On retient ces 4 V. Le volume, ça double tous les 18 mois. Donc, pour ceux qui font un peu des maths ici, on n'arrête pas d'entendre parler de croissance exponentielle. Les journalistes adorent le mot. Dès que ça croît un peu vite, c'est exponentiel. Là, c'est vraiment exponentiel. C'est pas du baratin juste pour la télé. C'est très varié, il y a du texte, il y a des textes dans différents formats, il y a des images dans différents formats, il y a des langues différentes. Vélocité, ça arrive vachement vite, on a vu les chiffres avant. Et véracité, ça c'est pas la peine que je vous le dise, on n'arrête pas de vous le répéter. Là-dedans, il y a beaucoup de poubelles. En fait, avec des étudiants, on a crawlé le web, on a crawlé 1 milliard de documents sur le web. Dans les documents qu'on avait, vous en preniez un au hasard, il y avait toutes les chances pour que ce soit de la poubelle. Mais je ne veux pas dire poubelle au sens fake news, je veux dire que toutes les chances pour que l'URL ne fonctionne plus ou que ce soit un document sans contenu. Donc le plus souvent, c'est un document sans contenu ou une fausse adresse. Souvent, c'est du bon contenu, puis souvent, c'est n'importe quoi. Alors, on a aussi bien compris que ces données, ça servait vachement, et c'est un peu de ça dont on va parler. Et la première chose qu'on a fait, c'était l'analyse de données. Alors, c'est le titre de la présentation. C'est Guy qui m'a demandé ça, Guy Darol qui m'a demandé ça. Je lui ai dit, mais l'intelligence artificielle, moi, je veux bien en causer, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis scientifique, je suis informaticien. Et mes potes, avec des potes, je travaille dans ce domaine très général qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais on n'est pas capable de le définir. Alors on va revenir un peu en arrière. Le grand nom là-dedans, c'est Turing. Donc vous avez peut-être entendu parler du test de Turing, du test d'intelligence artificielle de Turing. Turing, milieu du siècle dernier, se pose la question, l'intelligence artificielle. Artificielle, je comprends bien. Nous aussi, on comprend bien, tous. Artificielle, c'est ce qui est fait par une machine, c'est bon. Mais l'intelligence, c'est quoi ? Turing n'est pas arrivé à le définir. Il a essayé de demander à ses copains autour, personne n'est arrivé à le définir. Si vous me demandez mon avis aujourd'hui, l'intelligence, c'est une notion qui va peut-être amener à disparaître. Un peu comme avant, on parlait de l'âme. Il n'y a plus beaucoup de scientifiques qui parlent d'âme. D'accord ? L'intelligence, c'est un peu la même chose. Donc, qu'a fait Turing ? Quand il était bloqué, il voulait vraiment travailler là-dessus. Comme moi, on aime bien travailler sur ces trucs. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas donner une définition de ce machin-là, on va dire,
ce qu'on va faire, c'est un test. On va essayer de faire des programmes informatiques qui imitent des comportements humains sur lesquels on sera tous d'accord pour dire que c'est intelligent. Prouver un théorème, on est tous d'accord, c'est intelligent. Si on arrive à faire un ordinateur qui prouve des théorèmes, c'est un ordinateur qui a de l'intelligence artificielle. Reconnaître dans une image un chat d'un chien, ça vous paraît facile, mais c'est un gros challenge pour des ordinateurs. Si on arrive à le faire, on va dire que l'ordinateur est intelligent. Donc c'est du foutage de gueule complet. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Par contre, scientifiquement, ça fait des progrès considérables, parce qu'en se prenant ce challenge en pleine figure, eh ben, dès qu'on a quelque chose à faire, on se dit, est-ce qu'on pourrait le faire par un ordinateur ? Le calcul, ouais, maintenant on a des ordinateurs qui résolvent des équations hyper compliquées, des choses comme ça, puis qui après évaluent. Le raisonnement, on a des ordinateurs qui sont capables de prendre les théorèmes de 200 pages, des preuves de théorèmes de 200 pages, et de les vérifier. Alors évidemment, ce n'est pas les théorèmes de 200 pages que les mathématiciens écrivent, c'est des théorèmes de 200 pages écrits proprement, écrits pour une machine. Les mathématiciens, il y a toute une espèce de code un peu sociaux, ils savent qu'ils vont être lus par des humains, ils se permettent de faire des trucs comme dire « il est clair ». Ouais, il est clair, c'est pas clair toujours pour les étudiants. Et puis, il y a les techniques d'apprentissage. Alors, technique d'apprentissage, c'est une branche importante de l'intelligence artificielle, c'est celle dont on parle le plus aujourd'hui, parce que c'est celle qui a eu récemment des succès considérables. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de dire, c'est quoi un algorithme classique ? Un algorithme classique, c'est vous me dites comment résoudre un problème, et puis si vous me précisez bien comment résoudre ce problème, ben moi, je vais écrire un programme informatique qui fait ce raisonnement, qui fait exactement cette résolution de problème. C'est exactement ça. Un algorithme, c'est une méthode pour résoudre un problème qu'on a formalisé suffisamment pour mettre dans un programme informatique. Bien. Puis il y a des cas, ben on ne sait pas. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, est-ce que vous reconnaissez un chat d'un chien ? Comment vous faites pour reconnaître un chat d'un chien ? Bon sang, expliquez-moi, dites-moi, si vous me donnez bien la solution, moi je suis capable, je suis informaticien, je suis vachement fort, si vous m'expliquez bien comment vous reconnaissez un chat d'un chien, moi j'écris le programme. Sauf que vous n'êtes pas capable de dire, est-ce que vous regardez d'abord la queue ou est-ce que vous regardez d'abord les oreilles ? Est-ce que vous mesurez la taille des pattes ? Comment vous faites pour reconnaître un chat d'un chien ? Vous ne faites pas. Hein ? Comment fait un enfant pour apprendre à reconnaître un chat d'un chien ? On lui montre un truc, on dit ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Puis après il y a un truc qui passe et le gosse il dit c'est un chat, il dit, non, ça c'est un chien. Donc il y a 2-3 erreurs et puis au bout de assez vite, le gosse il reconnaît les chats des chiens vachement bien. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'apprentissage informatique ? C'était, on va donner des exemples en disant ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et puis on a avoir des trucs, par exemple, qui sont des programmes informatiques un peu compliqués qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc c'est des trucs un peu... Alors maintenant, on est dans les réseaux de neurones profonds. Vous voyez ça comme plein de petits processeurs. L'analogie avec les neurones est vraiment très, très lointaine, mais bon, c'est comme ça qu'on les a appelés. Vous avez plein de petits processeurs, et puis à l'arrivée, vous faites passer toutes les photos, puis les processeurs vont d'une certaine façon tuner des petits potentiomètres à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'ils soient capables de donner le plus possible la réponse qu'on leur a donnée en entrée. C'est-à-dire, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et puis après, ils savent reconnaître les chats des chiens. Essentiellement en imitant le comportement humain. Ils n'ont pas d'algorithme. Si vous voulez, ils en ont un, qui est un algorithme méta, qui est un algorithme d'apprentissage, qui est fait comme les humains. C'est vachement cool, il y a énormément de progrès à faire. Un gosse, après une vingtaine d'essais, est capable de reconnaître un chat d'un chien quasiment sans se gourer. Il faut des milliers d'exemples à noter pour que les réseaux de neurones profonds soient capables de faire ça. Pourquoi c'est important ? C'est parce que quand on arrive aux sciences humaines et sociales, la plupart des données sont des données imprécises, avec des incohérences, avec des choses qui manquent. Et là, on n'est pas très bien capable d'écrire des algorithmes au sens classique qui fassent ça. Donc comme on ne sait pas faire, on utilise l'apprentissage automatique. C'est-à-dire qu'on va prendre plein d'exemples de situations où des humains ont dit là, il faut faire telle chose. Cette série d'exercices, les gosses n'ont pas bien réussi, peut-être qu'il faudrait changer un peu l'exercice. Voilà, c'est ce que vont faire des humains, et on va l'imiter. Ça, c'est l'apprentissage automatique.
Un point de départ, c'est un réseau neuronal, des données d'apprentissage. Les données sont importantes. Le réseau neuronal, si vous ne lui donnez pas de données, il ne fait rien. D'accord ? Vous lui faites de l'apprentissage, le tuning de des paramètres du réseau, et puis après, vous avez des super résultats. Hein. Alors, des résultats qui sont quand même assez inattendus. Hein. Par exemple, on a cru pendant très longtemps qu'on ne pouvait pas battre un ordinateur aux échecs. Maintenant, on bat un ordinateur aux échecs. Le jeu de Go, les gens disaient non, c'est trop complexe. C'est un truc qui demande une intelligence humaine parce qu'il faut avoir une intuition. Et c'est compliqué de définir ce que c'est que l'intuition. Ça fait partie de l'intelligence, mais c'est quoi ? Et ben maintenant, on arrive à battre le champion du monde. Un ordinateur a battu le champion du monde des échecs. En utilisant des techniques d'apprentissage, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il a aussi utilisé des techniques de renforcement. C'est-à-dire, il a joué contre lui-même. Et puis il a appris les choses qui faisaient gagner, les choses qui faisaient perdre. C'est une autre technique d'intelligence artificielle. Il a utilisé aussi des trucs pour se balader dans l'espace de toutes les solutions possibles. C'est-à-dire qu'il va tenter. Alors ça marche bien en fin de partie quand il y a peu de solutions possibles. Il essaye des solutions jusqu'à un certain nombre de profondeurs. Il peut pas aller trop loin parce qu'il y a trop de possibilités. Mais il regarde celle qui marche bien, celle qui ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de techniques d'intelligence artificielle. Même quand vous entendez ce mot-là, bah, j'espère que maintenant, vous saurez que c'est du foutage de gueule, hein, depuis Turing, tout le monde le sait. Enfin, les scientifiques le savent. La deuxième chose que vous saurez, c'est que ce n'est pas juste une technique, mais c'est toute une gamme de techniques. Encore une fois, là, on est dans les frontières de la science. Hein. Moi, je vous dis que c'est toute une gamme de techniques. Mais Yann Lequin, qui est un spécialiste d'apprentissage, lui pense qu'il n'y a besoin que de techniques d'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, on peut tout apprendre par l'apprentissage. Alors je pense que ça plairait sans doute à des enseignants. Mais moi, je pense aussi que les enseignants pourraient comprendre qu'on peut apprendre plusieurs techniques à des enfants. On n'est pas obligé de leur apprendre toujours la même. Bien. Chose sur laquelle je voulais insister, c'est le garbage in, garbage out. On verra des exemples. Hein. Ça veut dire, les Anglais aiment bien ce terme-là, enfin les informaticiens aiment bien ce terme-là. On apprend des données, donc si vous mettez de la poubelle en entrée, bah vos résultats, c'est de la poubelle. On verra des exemples. D'autres problèmes de cette technologie, c'est qu'on ne sait pas mesurer l'erreur. Ça, c'est quand même un peu ennuyeux. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir un médecin qui va utiliser ce genre de technique et l'ordinateur lui dit « Oui, alors moi, je pense que c'est une tumeur de telle sorte. » Oui, mais attendez, moi, je suis médecin, j'ai un être humain en face de moi. Je ne peux pas me contenter de « je pense que c'est ». J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez avec 95%, il y a rarement de certitude en médecine, mais quand même, un médecin qui a de la bouteille, il se fait une opinion. Est-ce que vous pensez à 80%, 95%, ou est-ce que c'est à 51% et puis le malade à rien, c'était à 49%? Parce que moi, si je dois enlever le machin, j'aimerais bien savoir que j'aimerais avoir un certain taux de confiance. On ne sait pas mesurer sur ces genres d'algorithmes d'apprentissage l'erreur. On ne sait pas expliquer les résultats. Alors ça aussi, c'est pour ça qu'en médecine, les médecins sont très, très hésitants, par exemple, pour faire du diagnostic médical, à utiliser ce genre de technique, parce que les médecins aiment bien savoir pourquoi le programme a donné ce résultat. Alors, quand on peut vérifier, quand le système vous dit, je pense que c'est une tumeur à cause de ce point-là, le médecin peut regarder particulièrement ce point-là. Mais juste se contenter du résultat comme ça, c'est pas vraiment ce... Alors, encore une fois, on ne sait pas expliquer le résultat parce qu'on n'a pas un vrai algorithme derrière. On a juste un truc d'apprentissage qui a fait du tuning de plein de petits boutons, puis qu'à la fin, on pense que c'est le mieux, mais on peut se tromper. Alors, le mythe auquel on arrive et sur lequel c'est tentant et c'est le truc sur lequel il faut vachement se méfier, c'est que avant, on avait des théories, on avait des explications, la théorie de Newton, des choses comme ça. Maintenant, il y a une approche donnée, qui est une approche un peu magique, hein, qui est vous allez prendre plein d'observations. Vous allez laisser parler les données. J'ai entendu ça une fois dans un exposé. C'est du pipeau. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez laisser parler les données qu'il va y avoir une théorie qui va sortir du chapeau. La personne doit intervenir pour donner un avis, se discuter avec, poser d'ailleurs, apporter déjà, choisir les données que vous donnez à un algorithme. On a dit tout à l'heure, garbage in, garbage out, c'est très important.
Savoir les questions que vous allez poser à l'algorithme, c'est très important. Savoir interpréter les résultats, c'est vachement important. Donc ça, c'est vraiment du type de la mythologie. Et pour continuer à cette mythologie, il y a le truc sur lequel, qui est aussi un beau foutage de gueule, c'est dans le temps, il y avait la religion qui expliquait tout. Après, on a tout expliqué par la science. Maintenant, on n'a plus besoin de la science. On laisse parler les données. C'est n'importe quoi. Bien. Alors, maintenant, je vais passer à une deuxième partie de cet exposé en parlant de la responsabilité des algorithmes. Alors, pourquoi il y a besoin de parler de responsabilité des algorithmes ? Parce que vous avez bien remarqué, comme moi, que maintenant, on vit dans un monde où on a des gens autour de nous, des gens dans cette salle, et puis il y a des algorithmes, Parcoursup, d'autres algorithmes, qui décident, j'ai pas pris Parcoursup complètement par hasard, qui décident pour nous. Alors, je vais essayer de à la fois dégoupiller ce décider pour nous, ils décident pas pour nous, c'est nous qui avons choisi l'algorithme. C'est nous qui décidons ce que fait l'algorithme, première chose. Par contre, je vais essayer d'insister sur un fait, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'ils font. Parce qu'à partir du moment où ils prennent des décisions qui affectent nos vies, ils doivent, et c'est important et c'est essentiel, se comporter bien. Donc ils doivent être responsables. Alors là, j'ai une diapo que j'aime bien, que j'ai déjà réutilisée plein de fois. Si vous voulez, la partie gauche de la diapo, c'est toutes les procès, toutes les promesses de ces données, de ces algorithmes. Je ne sais pas, vous pouvez penser à Mark Zuckerberg. Et la partie droite, c'est tout ce que ça a de mal. Vous pensez à, je ne sais pas, n'importe quel prophète de catastrophisme qui nous explique, Laurent Alexandre par exemple, qui nous explique que ce truc-là nous conduit directement à notre perte. Alors évidemment, et je pense quand même qu'on a suffisamment d'histoire des sciences et des technologies derrière nous pour savoir que c'est la réalité, évidemment, les sciences et la technologie et les technologies amènent des progrès, et évidemment, les sciences et les technologies amènent des risques qu'il faut contrôler. C'est pas nouveau de dire ça. Le numérique... les historiens ont toujours tendance à hésiter à utiliser le mot révolution. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme on voit comment notre monde a changé, comment nos cultures sont en train de changer, comment notre économie est en train de changer, je pense que c'est évident que dans tous les domaines, dans tous les cadres, c'est une véritable révolution que nous sommes en train de vivre. Et par définition, les gens qui vivent une révolution, d'abord, ce n'est pas facile. Et deux, ils ne se rendent pas tout le temps compte de la rapidité des choses. Et là, cette révolution est particulièrement violente dans la rapidité avec laquelle elle arrive. Alors là, j'ai mis, je ne vais pas passer ça, vous pouvez le lire aussi vite que moi, mais beaucoup plus vite que ce que je pourrais le lire. Mais c'est clair qu'il y a à la fois des points positifs et à la fois des points négatifs. Et tout ce que j'essaie de dire dans cette diapo, c'est qu'il faut éviter... à la fois la tendance, disons, bisounours, Silicon Valley, qui est de dire « Ouais, c'est génial, vous avez un problème, le problème de l'écologie, pas de problème, on va vous foutre un peu de numérique dedans, ça va tout régler. Vous avez un problème, la fin dans le monde, un peu de numérique, ça va tout régler. » C'est pas vrai et ça marche pas comme ça. D'un autre côté, il faut arrêter de dire « Les réseaux sociaux sont en train de bousiller la vie de tout le monde. » Non, les réseaux sociaux, moi, ça me permet de me connecter, rester connecté avec des potes. C'est pas vrai de dire que le commerce électronique est en train de mettre en péril toute l'économie. C'est pas vrai, le commerce électronique a développé l'économie. Alors ça veut pas dire que tout va bien non plus, je veux pas non plus retourner du côté bisounours. Ça veut dire que les réseaux sociaux, il faut les réguler pour qu'ils arrêtent de faire des conneries. Donc ils nous donnent tous les avantages qu'on peut espérer, mais qui ne présentent pas tous les inconvénients. Le commerce électronique, oui, il y a plein de trucs bien, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des concurrences déloyales, il y a des effets réseau, etc. Ben, c'est ça qu'ils font contrôler. Voilà, c'est pas hyper original, mais c'est mon message. Bien, alors je vais prendre quelques exemples aussi maintenant pour revenir sur les problèmes particuliers
gérée par l'analyse de données, en particulier par les techniques d'apprentissage. Alors ça, c'est un truc qui s'est passé, qui a été sorti par le Wall Street Journal. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un site web, je crois qu'il s'appelle Stapler.com, qui avait des prix un peu bizarres. Et les gens, toujours des gens qui sont curieux, qui ont essayé de comprendre, ils se sont aperçus que si vous étiez pauvre, le prix de la graffeuse était plus cher. Donc il y a quoi ? Il y a un informaticien pervers qui a écrit une ligne, si niveau social plus faible, alors augmentez de 20% le prix de la graffeuse. C'est n'importe quoi. Non, on a regardé ce qui se passait, ils ont été voir la société qui faisait ça, et en fait ce qui se passait, c'est que le prix de la graffeuse était indexé sur la distance avec le magasin physique qui vendait des agrafeuses. Et les magasins physiques qui vendent des agrafeuses, il y en a plus dans les quartiers riches. Donc si vous étiez dans un quartier défavorisé, vous payez plus cher votre agrafeuse, c'est normal, parce que si vous voulez aller acheter une agrafeuse, il faudra prendre votre voiture, c'est plus loin, etc. Donc c'est sûr que c'est aberrant, mais encore une fois, la question, c'est comment on détecte ce genre de choses. C'était pas du tout évident. S'il n'y avait pas eu quelques petits curieux pour regarder, personne n'aurait jamais remarqué ce genre de comportement pathologique. Enfin, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une façon de décider du prix des choses. Autre exemple, les publicités pour les jobs, pour les boulots de Google, il y a des gens qui ont mesuré, qui se sont aperçus que si vous étiez une femme, on vous proposait à compétences égales des métiers beaucoup moins payés que si vous étiez un homme. Alors là, deux choses que je voudrais montrer dans cet exemple. La première chose, c'est aller détecter ça. Je vous dis que c'est compliqué. Faut le mesurer. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ça sont vraiment embêtés à créer des profils identiques d'hommes et de femmes. C'est tout un travail pour arriver à mettre ça en évidence. Tout un boulot. Donc, ces algorithmes qui, d'une certaine façon, influencent, puisque ça va influencer les jobs que les gens vont prendre, ces algorithmes, c'est compliqué de vérifier qui sont biaisés. Alors, la deuxième chose que je voulais montrer, c'est que ça, en l'occurrence, ça ne fait que reproduire un biais inhérent de nos sociétés qui fait que, fonctionnellement, à boulot égal, les femmes sont moins payées que les hommes. Donc, le vrai problème, c'est un problème sociétal. D'accord ? Alors après, la réalité là-dedans, c'est que peut-être que c'est plus facile de corriger cet algorithme qui balance des publicités en tenant compte du sexe ou du genre d'une personne. C'est certainement plus facile de le détecter et de le corriger que de détecter et corriger les biais qu'il y a dans tous les gens qui font des offres d'emploi et qui sont dans tous ces métiers-là. Donc c'est quand même positif, on peut corriger ça. Par contre, c'est pas du tout bisounours, parce que pour le détecter, il y a beaucoup de boulot. C'est pas simple. Et encore une fois, ce qu'on veut éviter, c'est de reproduire les biais qui sont dans la société. Alors, le troisième est le plus horrible, c'est sur la discrimination ethnique. Donc il y a un logiciel qui a été beaucoup utilisé par des juges de remise en liberté conditionnelle aux États-Unis. Donc, parole aux États-Unis. La chose qu'on leur demande est relativement simple, c'est quel est le risque de récidive. On ne leur demande pas de tenir compte de millions de critères, c'est le risque de récidive, point barre. Et donc, on peut imaginer qu'on va regarder ce que les juges ont fait dans le passé, pendant 10 ans, et puis à partir, on a plein de données, on fait manger ça un algorithme, et puis l'algorithme va refaire la même chose. Donc c'est ce qu'on a fait, et évidemment il y a des gens qui ont mesuré, c'est assez bon comme idée d'ailleurs. À partir du moment, pendant des années, on ne mesurait pas ce genre de truc. Le jour où on fait faire ça par un algorithme, on se dit on va le faire mesurer. C'est déjà une énorme avancée démocratique et sociétale. Donc ils l'ont fait mesurer. Alors là, pas de bol. La mesure a démontré qu'il y avait un biais ethnique, que l'algorithme reproduisait ce que les juges avaient fait depuis des années, c'est-à-dire des biais ethniques. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça aussi, parce qu'il y a des autres chercheurs qui ont dit non, si on prend d'autres critères, l'algorithme n'accentue pas t'as pas du tout de biais ethnique. Alors là, discours de discussion d'experts, puis jusqu'à ce qu'un troisième scientifique vienne en disant vous prenez deux critères et il n'y a aucune façon de satisfaire les deux critères. Donc ça, c'était un peu pour illustrer le fait que quand on parle de problèmes humains,
de détecter des biais sur des humains, c'est pas simple. C'est la justice, l'absence de discrimination ethnique n'est pas extrêmement simple à définir. Mais surtout, ce que je voulais montrer par cet exemple, c'est qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire autre chose et dire mais cet algorithme, est-ce qu'il est bon? Et donc, ils l'ont mesuré. Et en fait, l'algorithme avait des résultats dégueulasses. C'est-à-dire qu'il était moins bon qu'une personne qui n'était même pas du tout experte dans ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi l'autre chose, c'est qu'il faut se méfier, on reviendra encore sur cet aspect, il faut se méfier sur, puisque c'est un algorithme, c'est bien, il y a des mauvais algorithmes. Il y a des algorithmes qui ont été mal faits, il y a des algorithmes qui ont été bâclés. Et en ce moment, on est dans une espèce de course à l'échalote où, comme il faut y aller très vite, les gens balancent à peu près n'importe quoi sur le marché en disant « moi, j'ai résolu le problème ». Comme c'est un algorithme, c'est une boîte noire, les gens le croient. Et là, en l'occurrence, qu'on passe, c'était juste mauvais. Bien. Bon, je passe sur celui-là parce que tout le monde le connaît trop et puis on l'a trop vu. Alors après, je me suis dit, pour finir cette présentation, je vais prendre un cas concret. Alors les cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle, il y en a évidemment plein dans la société. Alors je me suis dit au début, je pourrais prendre la médecine. Mais la médecine, c'est un peu trop facile parce que tout le monde est d'accord, il faut soigner les gens. Bon, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. J'aurais pu prendre l'enseignement, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Puis là, je me suis dit, ils sont beaucoup plus spécialistes que moi dans la salle. Je vais dire des conneries et puis il faut peut-être mieux éviter. Enfin, éviter les conneries, c'est une chose, mais surtout éviter que les gens s'en aperçoivent. Donc j'ai pris un troisième sujet sur lequel je ne suis pas beaucoup plus compétent, peut-être même moins que dans l'éducation, mais sur lequel il y a moins de gens compétents dans la salle, c'est la justice. Mais on aurait pu prendre aussi, la police, enfin, y a plein de sujets possibles. Alors voilà, c'est un peu la partie travaux pratiques. Donc il y a un robot aide-soignant qui blesse la personne âgée qu'il est supposé soigner. C'est extrêmement compliqué, par exemple, de retourner une personne âgée pour la nettoyer. Donc on ne sait pas faire avec des robots aujourd'hui, mais quand on saura faire, alors on dit ça peut arriver aussi à un aide-soignant. D'accord ? Mais la question, c'est que si ça arrive à un aide-soignant, on connaît bien la responsabilité. Si ça arrive à un robot, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on condamne le robot à la prison, à la peine de mort ? Est-ce qu'on lui met une amende ? Est-ce qu'on condamne les personnes qui ont commis des erreurs ? Donc, on impose des corrections de logiciels. Là, on est dans un domaine qui est intéressant, parce qu'on peut mettre des punitions, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est d'améliorer les choses, d'améliorer, d'éviter que ça se reproduise. Pour les voitures, j'aurais pu prendre les bagnoles autonomes aussi. Sur les voitures autonomes, qu'on ne met pas en circulation aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que les gens n'ont pas confiance, mais elles ont déjà atteint aujourd'hui des taux de sécurité qui sont supérieurs à un conducteur moyen. Alors, pas pour faire le tour de la place de la Concorde, mais disons pour rouler sur une route normale, pas dans un truc trop compliqué, une route assez large, pas trop petite, et où il n'y a pas trop de circulation, etc. Ils n'ont pas trop d'accidents. Ils en ont moins qu'un conducteur normal. Ils en ont beaucoup moins qu'un conducteur en état d'ébriété. Bon, vous acceptez de prendre la route avec des conducteurs en état d'ébriété. Il y a plein de gens qui disent « Ah non, il est hors de question que je conduise s'il y a des voitures autonomes. » Alors, c'est évidemment pas mon point de vue, mais je vais vous relativiser ça un peu. Quand la voiture à moteur est sortie en Angleterre, les gens avaient tellement peur de ces monstres à moteur qui roulaient sur les routes qu'ils ont fait une loi. Ils étaient limités à 5 miles à l'heure. Et pire, il y avait un type qui devait être à pied devant avec un drapeau rouge pour dire « Attention, attention, il y a une voiture qui arrive. » Bon, on a arrêté ce genre de choses, heureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est heureux, mais on a arrêté ce genre de choses. Donc voilà, zoom la justice. La justice, les algorithmes font déjà beaucoup de travail dans la justice, ils remplacent certains travaux répétitifs, ça permet de réduire les coûts, d'améliorer le fonctionnement de la justice. Là, tout le monde est d'accord, surtout quand il s'agit de réduire les coûts. Alors, le but de ce travail pratique, c'est d'essayer d'imaginer un combat de boxe, dans le cadre de la justice, entre un humain et une machine. Avantage des algorithmes. Les humains sont opaques, souvent, injuste, incohérent.
Mon exemple préféré, c'est il y a quelqu'un qui a remarqué que les juges de remise de peine, toujours la même chose qui est très étudiée aux États-Unis, si vous passiez après le repas, vous étiez vachement mieux que de passer avant le repas. Mais genre pas vachement mieux, pas 10% mieux, genre 40% mieux. Donc ça, vous aurez au moins appris quelque chose dans cet exposé. C'est si vous devez demander une remise en liberté sous condition aux États-Unis, demandez à passer après déjeuner et pas avant déjeuner. Les algorithmes peuvent être rendus transparents, équitables, cohérents. Ils ne le sont pas par définition, je vous ai montré plein d'exemples. Mais on peut les faire de cette façon-là si on se donne la peine. Donc là, il y a plein d'avantages des algorithmes. Les désavantages, c'est que quand on travaille sur des données humaines, ce n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que les données humaines sont imprécises, contradictoires, incomplètes. Il y a des opinions, des sentiments, des mensonges. Il y a des situations rares. Il me reste combien de temps, en fait ? Parce que je n'ai pas du tout timé. Bon. Bien, c'est 10 minutes, c'est bon ? Ok. Bien. Donc, il y a des situations rares. Alors ça, c'est pareil. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'apprentissage automatique, c'est vous donniez plein de données et vous dites à l'ordinateur, faites pareil. Mais comment vous gérez une situation qui n'est jamais arrivée ? Ça, on ne sait pas bien faire. Et on sait mal expliquer tout ce qu'on fait. Donc, la difficulté aussi, c'est que quand on passe à des traitements algorithmiques, il faut préciser les règles. Il faut que les règles soient plus précises. Alors moi, en tant qu'informaticien, j'ai discuté avec des potes juristes et je leur ai dit, mais c'est vachement bien, la loi c'est flou, c'est pas terrible, pourquoi on ne ferait pas des lois beaucoup plus précises ? Et ils m'ont montré ma naïveté. Les lois ne sont pas précises exprès. C'est complètement exprès que les juristes font des lois qui donnent des principes, qui donnent des directions, mais qui ne sont pas dans le détail. Pourquoi ? Bah pour laisser au juge l'appréciation du contexte. Et ça, c'est indispensable. Donc, l'état des lieux aujourd'hui, c'est des algorithmes qui peuvent remplacer les humains et les aider, mais on ne sait pas encore faire aujourd'hui un algorithme qui jugera en assise. Méfiez-vous. Bien. Alors, améliorer la justice. Les juges n'aiment pas l'idée d'être remplacés par des ordinateurs. Les profs n'adorent pas l'idée d'être remplacés par des ordinateurs. Les militaires aiment bien utiliser des ordinateurs, mais ils n'aiment pas l'idée qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est naturel. Et quand vous demandez à quelqu'un, en général, les gens pensent en général que leur profession, ça va être une des dernières à être remplacée par les ordinateurs. C'est ce que pensaient les chauffeurs de taxi avant qu'Uber arrive. Et c'est ce que pensent les chauffeurs d'Uber avant que les voitures autonomes arrivent. D'accord ? Donc, on en est là. Donc, on va essayer d'améliorer les réponses pour trouver de bonnes informations juridiques, développer la transparence, détecter la présence de biais. Tout ça, on en a parlé. Côté humain, il faut monter en compétence des personnels de justice. Et là, je reviens à ce que j'étais juste en train de dire. Quelle est la fausse question ? La fausse question, c'est quelles sont les tâches qui ne pourront jamais être réalisées par des machines ? Ouais, à mon avis, je n'ai encore pas trouvé d'exemple. Je n'en connais pas. D'accord ? L'informatique a à peu près une centaine d'années, même pas, moins que ça. Et regardez déjà tout ce qui a été accompli. Donc, dire aujourd'hui, comme on a dit dans le temps, ce ne sera jamais possible de faire la traduction automatique, ce ne sera jamais possible de battre un joueur d'échecs, ce ne sera jamais possible de battre un joueur de Go, moi, je me méfie. Pour le faire bien, on n'y est pas encore et il y a encore beaucoup de travail parce que c'est un peu toujours pareil en informatique. La partie facile, vous en faites 90% et c'est super facile. Les 10% qui restent, vous ramez. Et donc là, plus on monte en compétences, plus c'est difficile. Mais je voulais juste, dans ce travail pratique, vous poser une question que j'ai posée à des juges et c'était assez freestyle. Donc, supposons, c'est de la science-fiction, hein, on est dans la science-fiction. Supposons aujourd'hui qu'il existe un algorithme qui a de meilleurs résultats que le meilleur des juges. Déjà, ça suppose plein de trucs, en particulier qu'on sache calculer l'erreur. Mais bon, supposons qu'on soit en effet ce travail-là. Est-ce que vous pouvez utiliser cet algorithme pour juger ?
Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à dire que s'il est si bon que ça, il peut juger seul, il n'y a pas besoin qu'il y ait un humain à côté qui vérifie ce qu'il fait? Ou alors, et alors là c'est massivement l'opinion de tous les juges, et là si je demandais est-ce que vous pensez qu'un ordinateur ferait aussi bien le travail d'un prof, vous allez tous me dire non mais ça ne va pas. Bon. Donc les juges pensent que la condition humaine implique que la tâche de juger les humains doit être effectuée par des humains, même s'ils font des erreurs. C'est ce que pensent les juges avec qui j'ai parlé, les juges, avocats, etc. J'ai demandé, si ça la démangerait d'être une erreur, ils m'ont pas répondu. Mais c'est ce qu'ils pensent vraiment. Alors, pour être provocateur, j'ai tenu le raisonnement suivant. C'est quoi l'informatisation? C'est que les humains réalisaient des tâches très dures, des tâches qui, d'une certaine façon, un peu inhumaines. Mais ils le faisaient parce que c'était nécessaire à l'économie, à la société. Donc, par exemple, ils allaient à la mine. Il y a une époque où les mineurs, c'était des... Et maintenant, il y a des machines. Il y a encore des mineurs, mais massivement, le travail est fait par des machines. La chaîne de montage. Avant, on montait une bagnole à la main. Maintenant, on a gagné un temps considérable. Il y a encore quelques ouvriers, mais pratiquement, les dernières usines, la dernière génération, il n'y en a plus beaucoup. Demain matin, alors ça c'est ce qui est le passé, demain matin la caisse d'un supermarché. La caisse de supermarché, c'est une dame, ou le plus souvent, parfois un homme, le plus souvent une dame parce que c'est un métier pas très payé. Donc la dame passe les trucs, c'est pas un métier super excitant quand même, hein. C'est quand même assez répétitif, c'est fatigant. On vieillit mal comme caissière de supermarché, mais est-ce qu'on vieillit mieux si on vous remplace par une machine qui fait le travail et que vous retrouvez au chômage? Et donc là, moi, je m'arrête en disant, attendez, le problème, c'est pas qu'une machine fasse le travail de la personne, c'est que le produit du travail de cette machine soit accaparé par quelques-uns et pas distribué dans toute la société. Bien. Donc c'est pas un problème technique, c'est un problème sociétal. D'accord. Revenons au juge. Juger les gens, bon sens, c'est un travail assez dur, hein. C'est un travail violent. Avant, je m'étais inhumain, mais je me suis fait vraiment allumer parce que c'est, pour les juges, c'est le travail le plus humain qui soit. Mais c'est un travail violent quand même. C'est-à-dire que vous êtes juge, vous avez monsieur machin qui a fait plein de trucs et tout, vous vous plantez, vous l'employez pour 20 ans en prison, puis un jour, on vous dit bah non, finalement, il y a eu des traces ADN, il n'était pas coupable. Waouh! Donc j'ai fait passer 20 ans en prison à ce type qui ne m'avait rien fait. Je me suis trompé. Alors je peux dire oups, je me suis trompé, mais enfin, c'est quand même pour. Psychologiquement, ça doit être énorme à porter. Pareil, vous êtes avocat, puis ce jour-là, vous n'êtes pas bon, et puis votre client, vous savez, vous êtes convaincu qu'il est innocent, mais vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas su le prouver, vous ne connaissiez pas le droit, enfin, je ne sais pas ce que vous avez fait, ce n'était pas un bon jour. Le mec, il se prend 20 ans. Waouh ! Est-ce que vous allez dormir tranquillement après ça, en vous disant, mais j'aurais pu faire mieux mon boulot ? Donc, ce sont des activités qui sont d'une certaine façon inhumaines, qui sont réalisées par des juges et des avocats, qui se sont, avec abnégation, sacrifiés pour la société parce qu'il fallait que quelqu'un fasse le travail. Mais si on peut faire ça avec un algorithme, bah pourquoi on va s'embêter? Pourquoi on va demander à ces gens de continuer à sacrifier? Alors, les juges vous diront, non, c'est pas du tout sacrifiant, c'est un travail génial. Bien, donc, question, on peut quand même poser la question. Donc je passe là-dessus. Revenons un peu sur Terre. Tout ça, c'était que de la science-fiction. On est totalement incapable aujourd'hui de faire des algorithmes qui sachent faire ça. Dans le cas très simple de... C'est pas du tout le pénal, c'est rien du tout. C'est juste la remise en liberté sous condition aux États-Unis qui dépend juste du risque de récidive. Même là, les algorithmes ne sont pas bons. Alors je pense que dans ce contexte-là, c'est possible de faire un bon algorithme. Faire un algorithme aujourd'hui qui soit capable de juger au pénal, faut pas rêver, on ne sait pas faire. Bon, donc les vraies questions, ce n'est pas quelles tâches voulons faire réaliser aujourd'hui par des machines, mais aujourd'hui, c'est comment apprendre à travailler avec des machines. Et puis peut-être un jour, on se posera la tâche de savoir est-ce qu'on veut qu'une machine juge pour nous ou pas, mais on n'en est pas encore là. Alors, avant de laisser la parole, je vais prendre quand même un dernier truc parce que ça m'énerve de voir ça ressortir
dans la bouche notamment de journalistes ou d'autoproclamés penseurs. Les robots vont prendre le pouvoir. On arrête les frais. Les robots n'ont comme intention que ce que les gens qui les ont programmés, les robots ou les algorithmes, n'ont comme intention que ce que les gens qui ont programmé ont mis à l'intérieur. Rien d'autre. Donc, on arrête avec les robots vont prendre le pouvoir. Les robots ne vont pas prendre le pouvoir. Par contre, la bêtise humaine peut être assez importante. Donc, et là, on a des preuves. On a zéro preuve, à part quelques films de science-fiction. On a zéro preuve de robots prenant le pouvoir. Les robots, ce n'est pas des extraterrestres qui sont venus chez nous, c'est nous qu'on les a construits. Ce n'est pas la même chose, c'est quand même une différence. Par contre, on a une longue expérience de bêtises humaines, guerre, xénophobie, racisme, mais ça ne s'arrête pas. L'écologie, la destruction de la planète, ça, c'est des problèmes concrets, c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est des problèmes de bêtises humaines, ce n'est pas des problèmes de gestion d'algorithmes ou d'automatisation. Alors, est-ce qu'on pourrait construire des robots pour nous exterminer ? À ma connaissance, on n'est pas en train d'en construire. Mais il y a plein d'autres façons d'arriver à s'exterminer, ne serait-ce que la... Bon, je prends ça comme la fin de l'exposé. C'est un peu ça. Et donc j'en profite, parce qu'évidemment, c'était un temps... J'avais beaucoup de temps quand même pour parler, mais c'est quand même un temps trop court. C'est toujours un temps trop court, donc faire un peu de pub, si vous voulez, si les trucs que je vous ai racontés vous intéressent. J'ai écrit un certain nombre des trois dernières années de livres. Alors, Le temps des algorithmes, qui est plus sur expliquer la techno, mais expliquer aussi quels sont les risques sociétaux, etc. Teradata, qui accompagnait une expo à la Cité des Sciences, qui est sur les données. Et le petit dernier, donc le petit dernier, c'est toujours celui qu'on préfère, c'est le petit dernier, c'est le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame. Donc c'est un ensemble de nouvelles, de courtes nouvelles de science-fiction qui sont là pour illustrer des aspects de la vie numérique. Et à chaque fois, il y a un petit texte à côté qui les accompagne pour expliquer un peu ce qui se passe. Si vous voulez, c'était un peu ma contribution pour répondre avec mes moyens à une série que j'ai beaucoup aimée, qui est Black Mirror. Je vois que vous n'avez pas encore lu Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame, mais il y a beaucoup parmi vous qui ont vu Black Mirror. Donc Black Mirror, c'est super, j'aime bien, mais on est complètement dans l'angoisse. Ce n'est pas comme ça la vraie vie. Voilà, j'espère que vous êtes conscient que la vraie vie, ce n'est pas comme dans Black Mirror. Parce que si vous croyez ça, vous êtes mal barré. D'accord. Donc moi, j'ai voulu écrire un truc qui n'était pas White Mirror, parce que je ne suis pas bisounours, mais j'ai voulu écrire quelque chose qui était un peu plus près de la réalité, une science-fiction qui était plus proche de la réalité. Et c'est pas facile parce que j'ai mon propre effet Black Mirror. C'est-à-dire que quand vous mettez dans une feuille de papier et que vous commencez à écrire, c'est quand même plus marrant d'écrire des trucs catastrophiques. C'est quand même plus marrant de dire les ordinateurs vont prendre le pouvoir et tuer tout le monde que dire les ordinateurs, c'est le truc qui va me permettre de rester plus longtemps autonome chez moi, sans avoir besoin d'aller dans une maison spécialisée, parce qu'ils m'aideront à vivre. Quand vous avez dit ça, c'est pas hyper excitant. Mais je pense quand même que je suis arrivé à en rendre quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, le temps passe, on va prendre deux questions pour Serge Habitboul. Réfléchissez bien, on ne va en prendre que deux parce que le temps avance. Pas de questions. J'ai été hyper clair. Où j'ai endormi l'auditoire. Bon. Je ne suis pas un robot. C'est bon, pas de questions. Merci Serge. Bien, nous avons donc été rejoints par Patrick Tonda, le DGA du Pôle Lycée, et Philippe Daubignard, DGA adjoint du Pôle Lycée. Donc on va quand même faire l'intervention Sandblock juste avant Lycée Up. Ensuite, prise de parole de Philippe Daubignard. On déroulera Lycée Up
et ensuite prise de parole de notre DGA, Patrick Tonda. Donc, pour rappel, Sandblock, donc c'est le concours fil rouge de la semaine. On va lancer les téléchargements possibles à partir peut-être de demain, parce qu'on a un tout petit aléa technique, petite reconfiguration de l'appli telle qu'elle est téléchargeable dans les stores Android et iOS. Donc on fait ça dans la journée. Demain, ça sera a priori disponible. Enfin, on va faire tout pour que ça soit disponible. Et on fera tourner l'application plus d'une semaine, donc enfin, au moins jusqu'à mardi prochain, pour que les lycéens puissent s'emparer de l'application et se tester en duel sur leur connaissance de l'IA et des blockchains, de la blockchain. Donc je vais laisser Sandblock se présenter et nous présenter l'application qu'on va mettre en ligne. Bonjour, on a une très bonne transition en fait avec cette intervention inspirante de Serge, puisque la blockchain et l'IA sont des technologies qui finalement sont presque sœurs, qui ont eu des évolutions parallèles. On parle beaucoup médiatiquement de blockchain ces derniers temps, mais la blockchain c'est une technologie qui a plus de 10 ans, et la cryptographie qui est encore plus âgée. Et il y a un lien direct, puisqu'en fait, on voit que IA est fortement connectée aux données, qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans les données sur lesquelles elle est construite. Et la blockchain, justement, c'est une base de données. C'est une immense base de données qui a des propriétés qui vont au-delà des bases de données classiques, puisque c'est une base de données qui, par essence, est transparente, qui ne peut pas être modifiée. Et donc, dans énormément d'applications de l'intelligence artificielle, un exemple tout simple, le questionnement juridique d'un acte commis par un robot. À partir du moment où on a une base de données qui est incorruptible, cela permet de créer de la confiance dans cette technologie en pouvant retracer justement toutes ces données qui ont été mises. Il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains. On est sur des technologies qui sont... complexe à comprendre finalement, qui implique un ensemble de concepts qui peuvent parfois créer du flou. Et nous, pour les transmettre justement facilement au lycée, on a décidé de proposer un concours. En fait, c'est comme une question pour un champion en direct avec un adversaire qui permet finalement de se challenger, mais aussi d'apprendre au rythme, au fur et à mesure de la participation à ce concours. Bonjour à tous, je vais prendre le relais du coup pour vous présenter ce qu'on fait. Rapidement pour revenir sur Sandblock, notre conviction c'est que on veut en fait, ce qu'on veut faire c'est vraiment démocratiser l'utilisation de la blockchain auprès du grand public. Donc on est ravis de cette collaboration avec la région Île-de-France pour vraiment faire parler du numérique, du digital, de l'intelligence artificielle, de la blockchain au lycéen. On a décidé de faire ça sous le modèle d'un quiz qui est interactif et qui, globalement, va permettre de mettre en relation les lycéens de toute la région d'Île-de-France qui vont pouvoir s'affronter en direct sur des petites sessions de questions, de 7 à 8 questions, un format très rapide. À chaque fois, on est sur un duel avec un autre lycéen, et ça va être sur des questions sur les thématiques donc, du digital, ça peut être sur la blockchain, l'IA, avec des questions qui se veulent d'un niveau graduel, donc des questions assez accessibles au début, puis un niveau de difficulté de plus en plus important. Alors ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous présenter une petite vidéo, je pense que c'est le meilleur moyen de vous présenter comment ça fonctionne. Donc on va vous donner le lien qui va permettre d'accéder à ce jeu. Sur le jeu, on pourra voir en direct le classement des lycéens, le classement des lycées, et puis lancer une partie. À chaque fois, on est en concurrence avec un autre lycéen dans la région d'Île-de-France avec des questions. Par exemple, là, c'est sur l'intelligence artificielle.
ça fait peut-être connexion à ce que disait Serge tout à l'heure sur le jeu de Go, par exemple, qui est un des terrains d'application sur lequel l'intelligence artificielle a réussi à battre un humain. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces connaissances sur le numérique, réussir à les faire passer. Nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir susciter de plus en plus de vocations dans ce monde de la tech, aussi bien des garçons, mais aussi des filles. Nous, on est dans un monde, on a la chance d'avoir Sarah Diane, qui est CEO d'une start-up tech à Sandblock. Mais c'est un univers dans lequel on a besoin de talents féminins aussi. Donc notre ambition, c'est aussi d'avoir un jeu qui est accessible et qui puisse être répandu. Donc on compte aussi sur vous, sur la communication qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça, pour que ce jeu et toutes ces thématiques puissent donner envie et que les lycéens aient envie d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle, la blockchain, encore une fois. Donc c'est l'ambition de ce petit concours. On espère que ça leur plaira au maximum. Voilà, et donc à chaque fois on voit quand on remporte une partie, donc vous avez pu voir défiler certaines questions, il y a un score, et ce qui va faire que plus on va jouer, plus on va gagner de parties, plus on va pouvoir remonter dans le classement, et il y a des lots qui sont encore en train d'être définis, mais qui seront distribués aux meilleurs lycéens à l'issue de ce concours. Voilà, je pense que je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais voilà. Du coup, on vous communiquera, je pense, davantage d'informations sur le jeu et puis le lien d'accès pour pouvoir que tout le monde puisse y participer. Merci beaucoup. Voilà, donc jeune entreprise et beaucoup d'énergie, ça fait plaisir. Oui, vous aurez le lien dans le NT à l'intérieur, en message flash, comme vous avez l'habitude. Et puis après, on le mettra aussi peut-être pour les lycées qui n'ont pas encore rejoint monlycée.net, ce qui va devenir difficile pour eux. La vie va être difficile sans monlycée.net. Et donc voilà. Donc maintenant, on va passer à Lycée Up. Lycée Up, pour lesquels vous êtes sans doute venus, pour la plupart. Et je vais donner la parole à Philippe de Bignard, le DG adjoint, qui va nous représenter un petit peu le concept de journée francilienne et en même temps faire la liaison avec cet appel à projet à Lycée Up. Bonjour à tous, avec un petit peu de retard, je suis désolé. J'ai eu le temps de faire confiance à Waze, qui m'avait promis 45 minutes pour vous rejoindre, et j'ai mis 1h32. Voilà, donc j'ai retenu la leçon de Serge Abitboul sur un certain nombre de points. Merci en tout cas, monsieur le proviseur, de nous accueillir, et merci à vous tous d'être parmi nous pour ce lancement de la première opération semaine. Les journées franciliennes du numérique. Si nous avons voulu marquer cet événement et si on souhaite le voir se répéter année après année, on en trouve des éléments sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On voit bien que la transformation numérique, l'utilisation du numérique, l'usage du numérique, c'est quelque chose qui doit se faire en partenariat, avec beaucoup d'apports et d'intelligence humaine, pédagogique dans nos choix. Alors nos choix pour la région, évidemment, choix technique, support, matériel, etc. Vous donnez les moyens de votre pédagogie, mais aussi avec vous atteindre nos objectifs communs, nos objectifs éducatifs, les objectifs de réussite des élèves. D'individualisation, on sait qu'un élève ne ressemble à aucun autre, donc on a vraiment de plus en plus autour du numérique à travailler ensemble de manière fort partenariale pour faire réussir nos jeunes franciliens. Donc cette semaine, elle est pour nous très importante. On souhaite que, c'est la version zéro cette fois-ci, donc l'an prochain on sera plus professionnel et encore avec plus d'action dans tous les lycées. On voudrait que le numérique touche 100% des lycées très bientôt. Donc c'est pour ça qu'on a aussi décidé pour ce premier événement
de lancer l'ICEUP. On avait prévu initialement pour le mois de septembre prochain, et on a lancé tout de suite pour cette version de mars des journées franciliennes. Donc l'opération l'ICEUP, qui a eu un beau succès, on va le voir. C'est vraiment pour nous le moyen de connaître vos attentes. Nous avons visionné une partie des dossiers déposés par les uns et par les autres. On voit toute la diversité, toute la richesse, et pour nous c'est un retour quasiment d'expérience qui nous permet aussi de faire des choix et d'influer sur notre politique en matière du numérique. Donc encore, on va passer à l'ICEUP sur la présentation opérationnelle des choses, puis après remettre les prix avec Patrick. Encore une fois, ces journées franciliennes sont vraiment, vraiment importantes. Il faut qu'on arrive à diffuser, qu'on arrive à faire tache d'huile, et aussi qu'on arrive à intéresser tous les membres de nos communautés éducatives, les élèves bien sûr, les enseignants c'est évident, mais aussi les parents. Parce qu'on sait que des fracteurs numériques, il y en a plusieurs. Il y en a sur le matériel, mais il y en a aussi dans les usages, il y en a aussi dans les générationnels. Donc il faut absolument qu'on arrive à toucher l'ensemble des communes éducatives, et ces journées franciliennes, c'est aussi un moyen de le faire. Merci à tous. Donc on va revenir sur cette présentation de l'ICEUP. Donc c'est une façon d'accompagner évidemment tous les lycées sur leur déploiement du numérique, toujours avec une notion d'autonomie, puisqu'on vous demande de nous dire ce que vous voulez faire du numérique. Pour rappel, depuis 2016, on a 17 lycées, 8 et 9 lycées qui ont travaillé sur un dispositif 100% numérique. Ces 17 pilotes nous ont permis, à l'occasion d'un séminaire avec eux, de définir ce que pourrait être une partie de la stratégie de la région, et notamment donc, du coup de cette opération l'ICEUP, puisque l'idée c'était de sortir de cette logique de 17 lycées et de toucher enfin les 465 lycées, puisque c'est bien ça notre enjeu, c'est de pouvoir faire monter l'usage du numérique absolument sur tout le territoire. Donc premier trimestre 2019, comme l'a dit Philippe Debignard, on lance un petit peu rapidement cette opération. Donc ça veut dire que vous avez eu souvent 2 semaines, on a un peu allongé jusqu'à 3 semaines pour répondre. Pendant les congés, on s'est réunis avec les académies, les 3 DAN, les lycées 100% numériques qui étaient dans le jury et la région, pour plus notre partenaire, copilote partenaire qui a usiné, ils aiment bien utiliser ce terme, usiner toute la mécanique de l'ICEUP. Donc on s'est vu, et en revenant donc on a pu délibérer. Donc ça c'est Stéphane Ordegrucci qui va vous expliquer ça, qui est le chef de projet sur cette partie l'ICEUP, et qui vous suivra sur la suite, puisque les 50, maintenant il va falloir passer à l'opération. Et l'opération, ça va être accompagné par la région, et il faudra effectivement qu'on ait quelques éclaircissements, même si les 2 minutes déjà étaient très très intéressantes et semblaient montrer le futur de vos projets. Bonjour à toutes et à tous. Et alors effectivement, on a eu beaucoup de réponses pour cette première opération au l'ICEUP. 118 lycées qui ont répondu pour 50 projets retenus. Donc, même si le format a été assez simple, hein, le format de réponse, on était sur un pitch de 2 minutes, d'une vidéo de 2 minutes, on a monté un jury, et effectivement ce jury a délibéré. Dans ce jury présidé par la région, il y avait bien évidemment un représentant de la région, un représentant des académies, un représentant des DAN, un représentant des lycées 100% numériques, donc qui ont déjà connu et vécu une expérimentation avec la région sur le numérique et un projet numérique mené conjointement par un établissement et la région, et un expert donc du numérique
en la présence d'un de nos partenaires, donc Copilot Partners. L'idée étant ensuite, bien évidemment, de délibérer, de classer les différents projets pour déterminer les 50 lauréats. C'est un premier pas pour ceux qui ont été retenus. On doit maintenant affiner les choses. L'idée étant pour nous de vous fournir la solution complète clé en main de votre projet, de ne plus parler de subventions, tout ça. On ne parlera plus de ça. On va vraiment travailler pour vous fournir directement le matériel ou les prestations auxquelles vous avez, pour lesquelles vous avez postulé. Et donc, la précision de ce projet, on attend un retour de votre part pour le 19 avril. On va rester en contact pour les 50 lycées qui sont retenus. On va rester en contact pour vous aider à préciser un petit peu votre projet et savoir sous quelle forme on va pouvoir vous accompagner. Pour ceux qui ne sont pas retenus, et ben on va quand même rester en contact aussi, puisque vous avez un projet qui, même s'il n'est pas arrivé dans les 50 premiers, n'a pas été dénué d'intérêt. On souhaite vous accompagner pour septembre. Donc septembre, c'est le prochain appel à projet, cette fois-ci structurel. Et l'idée étant, cette fois-ci, d'avoir une délibération et des résultats pour janvier 2020. Voilà. Très bien. Alors, on va laisser la parole maintenant, parce qu'on va passer... Ah non, peut-être... Ah, non, reviens, non, on va pas... Non. Quelle horreur. Bon, vous n'avez rien vu. De toute façon, vous êtes venus sans savoir, la plupart, hein, bien sûr. Et donc du coup, je vais laisser la parole pour un moment important à Patrick Tonda, donc notre DGA du pôle lycée, qui va revenir sur ce projet et un peu l'ensemble des sujets du pôle lycée. Bien, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, les professeurs, les personnels de direction, les inspecteurs, les DAN, et j'en oublie sans doute tellement la salle est remplie. Je suis assez impressionné d'ailleurs. Je remercie encore Monsieur le Proviseur de nous permettre d'être ici aujourd'hui pour cette matinée du mardi très importante dans notre semaine du numérique. Donc j'ai l'honneur effectivement de clore cette matinée et d'annoncer le résultat de l'appel à projet Lycée Up. Alors juste simplement, cette matinée étant programmée en même temps que la commission permanente de la région, je me permets aussi d'excuser à la fois la présidente de région Valérie Pécresse et la vice-présidente au lycée Marie-Carole Sientu, qui sont évidemment toujours en commission, et c'est important qu'elles y soient, puisque nous passons ce matin, comme à chaque fois, comme tous les mois quasiment, un certain nombre de délibérations qui permettent à vos lycées de fonctionner. Donc voilà, j'y étais moi-même ce matin, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard aussi et que je n'ai pas pu assister à la conférence, en tout cas en entier, de Serge Abitboul, et j'en suis bien, bien désolé. Donc sur un plan plus, effectivement, plus sur le fond, donc après avoir conduit depuis 2016 la rénovation profonde de l'ENT régional, hein, monlycée.net que vous connaissez tous maintenant, qui est utilisé quotidiennement par les deux tiers de nos 465 lycées publics. Après avoir mené depuis 3 ans l'expérimentation des lycées 100% numériques, en mettant à disposition des équipes des moyens renforcés, nous sommes heureux aujourd'hui de mettre le numérique à l'honneur dans tous les lycées d'Île-de-France pour tous les élèves. Première région d'Europe, l'Île-de-France doit particulièrement veiller à la transformation numérique de ses lycées au bénéfice des lycéens, de leur façon d'apprendre et de se former pour leur meilleure insertion professionnelle, la qualité de leurs compétences et la compétitivité économique des entreprises de la région. L'effort de la région est très important s'agissant de la maintenance de nos 180 000 postes informatiques, de l'accès au très haut débit, qui se poursuit, on n'est pas au bout, mais ça se poursuit de façon un petit peu
avec une feuille de route très ambitieuse et qui va s'accélérer. De l'équipement, en particulier évidemment les vidéoprojecteurs, mais aussi le déploiement du Wi-Fi pour lequel nous allons aussi accélérer les choses dans les mois et les années qui viennent, les années étant quand même assez restreintes puisqu'on parle de deux années pour arriver à la complétude de notre déploiement du Wi-Fi. Mais aussi nous allons participer au développement des ressources. Alors les ressources, j'en parle juste un petit peu. Je sais qu'il y a des attentes sur la question des manuels scolaires. Donc je ne vais évidemment pas faire d'annonce ici puisque je laisse le soin, bien entendu, à la présidente de le faire le moment venu, qui se rapproche, je vous rassure, puisque nous sommes évidemment très contraints maintenant par les calendriers. Donc les arbitrages sont en cours. Mais la région sera au rendez-vous pour donner aux équipes pédagogiques, aux lycéens et à leurs parents les moyens d'aborder sereinement la réforme du bac. La stratégie choisie prendra en compte les choix des communautés éducatives et c'est très important. C'est pour cela que nous avons lancé une large consultation des lycées via les proviseurs avec une volonté de l'exécutif de la région d'encourager le recours au numérique sous toutes ses formes. C'est une consultation qu'on avait lancée de mémoire au mois de décembre et qui donc nous a donné des premiers résultats au mois de janvier. Premiers résultats pour lesquels il apparaît un intérêt pour le numérique bien plus élevé que ce qu'on aurait pu imaginer en réalité. Donc ça c'est plutôt positif et on est vraiment tout à fait dans le thème de la semaine et de la journée. Alors j'en profite pour vous dire que d'ici au 15 avril, je sais que c'est ambitieux, que c'est toujours des calendriers un petit peu contraints, dans des périodes toujours difficiles pour vous, mais le calendrier de la réforme l'impose. Donc d'ici au 15 avril, nous appellerons chacun des lycées afin de recueillir votre choix définitif en matière de manuel. Est-ce que vous penchez pour le papier ? Où est-ce que vous penchez pour le numérique? Et voilà, donc il y a un gros travail devant nous de phoning, hein, on va appeler les 465 lycées publics, d'ici le 15 avril pour obtenir votre choix. Donc on compte évidemment sur votre réactivité afin de concrétiser ce pan ambitieux de l'action régionale en faveur des lycéens et de leurs professeurs. Pour gagner du temps, nous avons d'ores et déjà lancé le marché Epsilon, en lien avec 5 autres régions nationales, pour permettre l'accès gratuit à des ressources numériques via les ENT. Dans le même temps, nous souhaitons explorer toutes les conséquences de ces transformations numériques, notamment dans la conception des lycées eux-mêmes, et les adapter à ces nouveaux usages et pratiques pédagogiques, à travers notamment les CDI. Là encore, votre aide sera déterminante pour nous aider à imaginer les choses les plus innovantes et les plus efficaces. Pour terminer, et nous revenons au sujet, nous avons voulu dès ce mois de mars, à l'occasion de cette première semaine du numérique, semaine qui doit valoriser notre travail commun en partenariat, nous avons voulu lancer donc le projet LycéeUp. La forme des dépôts de projets et de leur soutien elle-même, vous l'aurez remarqué, est innovante. Elle respecte l'autonomie des établissements et correspond à ces nouvelles façons de travailler, de résoudre des problèmes, de former et d'apprendre. 115 lycées sur 465 ont répondu en un temps record. Et là encore, merci à vous d'avoir fait l'exercice pour ceux qui l'ont fait, et ils sont nombreux, dans des temps extrêmement restreints, dans des périodes toujours très compliquées et avec une nouvelle forme de rendu. Donc franchement, on vous remercie pour votre enthousiasme, on en est vraiment très, très heureux, je vous l'assure. Et donc comme le disait, comme il a été dit à l'instant, effectivement, fort de ce succès, nous renouvellerons dès septembre prochain une telle opération. Et notre objectif est que 100% des lycées aient pu bénéficier de ce soutien d'ici 2 ans. Voilà ce que je voulais vous dire d'un petit peu général. On vous remercie encore d'être aussi nombreux et d'être aussi fidèles à nos événements. Et donc je crois que le moment est venu, Pascal, dévoiler les lauréats. Bon, le moment officiel en tout cas.
Donc, comment procède-t-on ? Alors, moi, je vous propose, si on arrive à le faire bien dans l'ordre, de dévoiler d'abord les 50 premiers lycées qui sont retenus sur les 118. Donc, ça veut dire, encore une fois, la notation, elle a été faite en back-office entre les DAN, la région, les 17 lycées. Ça va être à affiner parce qu'on a vu quelques failles dans notre système d'évaluation, mais de toute façon, vous le savez, même pour les lycées qui restent un petit peu en dehors des 50, on vous repêchera en vous accompagnant bien sur septembre. Et de toute façon, l'idée, c'est que tous puissent accéder à ces projets. Donc, première liste, celle de Créteil. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous les lycées concernés. Oui, finalement, c'est assez clair. Donc, on ne va peut-être pas les annoncer un par un. Est-ce que c'est visible du fond ou sinon on vous les lit ? Je pense qu'on peut les annoncer un par un, Pascal. Alors, faisons-le. Je crois que c'est Stéphane qui adore faire ça. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que naturellement, il y a eu un partage, que ce soit entre les académies des lycées qui ont du volume de lycées qui ont répondu et qui ont été retenus. Et donc, pour la Seine-et-Marne, donc nous avons des lauréats, le lycée François Couperin à Fontainebleau, Étienne Bezou à Nemours, lycée des métiers Frédéric et Joliot Curie à Damary-les-Lys, Charles Baudelaire à Meaux, René Descartes à Champs-sur-Marne, Jean Villard à Meaux, Blaise Pascal à Bricomte-Robert, le lycée des métiers Antonin Carême à Savigny-le-Temple et le lycée Martin Luther King à Bussy-Saint-Georges. Bravo à eux. Pour la Seine-Saint-Denis, lycée André Bouloche à Livry-Gargan, lycée des métiers Varis-Gallois à Noisy-le-Grand, Jean Moulin, Blanc-Ménil, et lycée des métiers Paul Le Roland à Drancy. Pour le Val-de-Marne, le lycée métiers Gourdou, Le Sueur à Saint-Maur-des-Fossés, François Cavana à Nogent-sur-Marne, lycée de Cachan à Cachan, pour le projet 1. Il y avait deux projets, Il y avait des malins qui ont essayé de déposer deux projets, mais ça ne fonctionne pas. Jean Massé a choisi le roi, Léon Blum à Créteil et Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre. Bravo à eux. Maintenant, pour l'Académie de Paris. Donc, pour l'Académie de Paris, le lycée Sophie Germain, Montaigne, lycée des métiers d'Orient, lycée Elisa Lemonnier, lycée des métiers Fresnel, Roger Verlhomme, le lycée Diderot, Hélène Boucher, Chenevière, Malézio, et Jean Lursa. Et pour l'Académie de Versailles ? Donc, dans les Yvelines, Émilie de Breteuil, Louis Bascan à Rambouillet, lycée des métiers Léonard de Vinci et Lucien René Duchesne à la Selle Saint-Cloud. En Essonne, Jean-Baptiste Corot, Charles Baudelaire et Les Souriaux. Dans les Hauts-de-Seine, l'Agora plutôt, Marie Curie à Nanterre, il me semble, Michelet à Vanves, lycée des métiers Voilin, Toulouse-Lautrec, Gustave Eiffel et Boulogne-Billancourt. C'est le nouveau lycée de Boulogne-Billancourt. Et enfin, pour le Val-d'Oise, Gérard de Nerval, Jules Verne et Louis Armand. Alors, la tension monte. Donc, du coup, on a trois coups de cœur du jury. Ils ont des prix spéciaux du jury qui ne sont pas liés forcément à la place, puisqu'en fait, les notations permettaient quand même de classer les lycées. Mais nous, on considère que c'est un lot de 50. On vous départagera pas complètement comme ça. Donc, on a trois coups de cœur, un par académie. Ça, c'est bien trouvé.
Et on va les dévoiler maintenant. Alors, donc, les prix spéciaux du jury sont, pour le premier, c'est Eugène Delacroix à Drancy. Peut-être qu'on peut faire venir, s'il y a des représentants du lycée Eugène Delacroix à Drancy, à la tribune. Non, ils ne sont pas là. Si. Ah. Voilà. Monsieur le proviseur. Bravo. Bien, bah, rejoignez-nous, effectivement. Rejoignez-nous. Montez. Sur l'Académie de Paris. On attend. Là, du coup, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Trop rapide ou trop lent. Le lycée Gustave Ferrier. Bon. Les représentants, vous êtes évidemment attendus à la tribune. Et pour l'Académie de Versailles. C'est Maurice Elliott à Épinay-sur-Sénart. Donc rejoignez-nous, sachant que ce n'est pas terminé, puisque... Oui, donc on a aussi le prix du meilleur lycée, entre guillemets, puisque encore une fois, tous les projets étaient super intéressants et difficilement classables, mais on a quand même un lycée qui a remporté absolument tous les suffrages. Et donc, c'est un lycée pour l'année 2019 qui est... Louis Jouvet à Taverny. Du coup, on va demander au lycée de représenter très très rapidement à tout le monde leur projet. Bonjour donc, on... On va passer. Non, mais là, t'es encore trop rapide. Dans le notre projet consiste à créer au cœur de l'établissement. Donc, ça, on parle du lycée Louis Jouvet qui a remporté tous les suffrages. Bonjour à tous. Voici la candidature du lycée Louis Jouvet, lycée polyvalent de Taverny, dans le Val d'Oise. Notre projet consiste à créer au cœur de l'établissement le Lab J. À l'origine de ce projet, un constat. Les stratégies les plus efficaces pour les apprentissages sont peu connues et peu mises en œuvre. Nous avons donc imaginé un tiers-lieu utilisant les sciences cognitives au service de la réussite des élèves et nous commençons notre expérimentation en partenariat avec l'IFE. Les objectifs du LabJ sont ainsi d'améliorer les apprentissages des élèves, de proposer des lieux d'apprentissage et de production et de favoriser les rencontres, la collaboration et les échanges. Le LabJ est donc conçu comme un espace et une dynamique dédiée à l'innovation pédagogique et à la collaboration et basée sur les sciences cognitives. Des espaces nouveaux ont été aménagés dans le lycée. Deux oasis pour le travail collaboratif et l'apprentissage, le studio pour la production multimédia, TV et radio, la grotte pour le montage vidéo, le lounge avec des assises différentes et la fabrique conçue comme un véritable Fab Lab. Le LabJ est disponible pour tout le monde. Les élèves, évidemment, mais également leurs parents, les enseignants et le personnel administratif, technique et de direction. Il a également pour vocation de s'ouvrir au collège voisin et même à la ville de Taverny. Pour fonctionner au mieux, nous avons particulièrement besoin d'équipements. Des ordinateurs puissants pour la grotte, une flotte de tablettes ou d'ordinateurs portables pour le lounge et les oasis, une imprimante 3D et une découpe laser pour la fabrique, et du mobilier adapté et mobile pour les différents espaces. Un comité de pilotage composé d'une dizaine de personnes travaille actuellement à faire du LabJ un lieu innovant et dynamique. Nous pensons que le LabJ mérite d'être soutenu, car c'est un projet collectif, ouvert, permettant le partage de biens et de savoirs, la collaboration, l'innovation et la créativité pédagogique et d'apprentissage de tous les acteurs de la communauté éducative. Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes et nous vous remercions pour votre écoute et vous disons à bientôt dans les locaux du LabJ. On va donner la parole à Sophie Churlet, donc du lycée Louis Jouvet.
Voilà, merci à tous. Et puis, avant tout, je voudrais remercier, ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent, mais mes professeurs, les porteurs de projets qui ont permis à ce projet de voir le jour. Quelques mots, parce qu'on est nombreux. L'idée, je pense, c'est de créer, et je pense qu'on recherche tout ça, un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Et ce l'ABJI, ce tiers-lieu, est une sorte de cœur névralgique de notre lycée. Et en même temps, un espace qui se veut dans une totale horizontalité, dans une grande porosité, où on peut résoudre cette espèce de tension entre ce qui relève de la sanctuarisation d'un lycée, qui est un monde clos, et puis sa porosité, qui ouvre sur l'extérieur. Ce l'ABJI est donc visité, utilisé par les élèves, bien sûr, les enseignants, mais les parents, les habitants de la ville de Taverny, autour de trois grands axes. Apprendre à apprendre, on travaille beaucoup sur, via le numérique, tout ce qui concerne le cognitif, la plasticité cérébrale, la mémorisation, l'attention, la compréhension, tout ce qui concerne le apprendre en faisant, hein, donner aux apprentissages des élèves de la matérialité, et puis tout ce qui concerne apprendre ensemble, cette grande intelligence collective que le modèle virtuel nous permet d'atteindre tous ensemble. Voilà. Merci. Une fois que vous avez effectivement présenté votre projet, rejoignez-nous de ce côté-là, comme ça, ça crée un mouvement en même temps, il faut toujours créer du mouvement. Lycée Gustave Ferrier, 7 rue des Écluses, Saint-Martin, Paris 10e. Nous vous présentons le Fab Lab de Gustave. Depuis 3 ans, nous travaillons en projet avec 2 classes de seconde bac pro système numérique à la réalisation de mini-robots sumo. Les apports théoriques sont donnés au fur et à mesure des besoins des élèves en fonction de l'avancée du projet. Nous observons de réelles interactions entre élèves, un engagement dans l'autonomie, des prises d'initiatives appropriées et une bonne communication entre élèves et enseignants. Cette méthode de travail que nous souhaitons élargir et pérenniser nécessite l'usage d'un espace de fabrication équipé et d'un espace de travail modulable en fonction des étapes du projet et du nombre d'élèves impliqués. L'espace de fabrication est situé entre les 2 espaces de travail modulable. Le Fab Lab sera équipé de 2 imprimantes 3D, 2 centres d'usinage à commande numérique, de 3 ordinateurs et de mobilier de rangement. Les 2 espaces de travail seront équipés de mobilier ergonomique et modulable, qui permettront différentes fabrications, s'inscrivant par exemple dans la réalisation du chef-d'œuvre individuel en terminale. Pour la réalisation du Fab Lab de Gustave, nous avons besoin d'une imprimante 3D, d'un centre d'usinage à commande numérique, de 3 ordinateurs, de meubles de rangement, de tables et de chaises à roulettes. Ce Fab Lab sera utilisé par 2 professeurs de génie mécanique construction ainsi que les enseignants co-intervenants sur les différents projets. La mise en œuvre de projets dans le cadre des apprentissages est en adéquation avec le profil de nos élèves et la formation en bac pro SN. La réalisation du Fab Lab de Gustave nous permettrait d'étendre ces méthodes à l'ensemble des élèves afin que tous puissent bénéficier d'une activité valorisante, d'une culture technique dynamique et actualisée, favorisant la confiance en soi et l'adaptation au milieu professionnel. Nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Rossi et à l'équipe du lycée Gustave Rossi. Rejoignez-nous les précédents. Ferrier, pardon. Gustave Ferrier. Bonjour. Alors la présentation va être assez simple, c'est que pourquoi on a voulu faire ça. On travaille déjà un petit peu en projet, mais comme je dis, c'est un petit peu. Et on voulait étendre ça à toutes nos classes quasiment, au moins à toutes nos classes de seconde. On a 6 classes de seconde. Et pour l'instant, on n'a qu'une imprimante 3D. Et fabriquer plein de petits trucs avec qu'une seule imprimante 3D, au bout d'un moment, c'est trop. En plus, pour ceux qui utilisent déjà l'imprimante 3D, évidemment, il y a de l'odeur, il y a tout ça. Et on voulait une zone, nous, pour avoir une zone de travail. Et cette zone de travail sera justement entre 2 salles de construction. On a une petite réserve. Elle va être transformée en Fab Lab, on va dire, et il nous fallait du matériel, plus de matériel, et voilà, quoi, c'était juste pour faire ça. Merci. Merci.
grand merci à la région et au jury pour cette reconnaissance de l'investissement de nos enseignants et Madame Morel et Madame Manès. Merci au nom de l'établissement. Merci. Accueille toujours un public mixte, souvent enclavé. Toutefois, grâce au numérique, nous espérons pouvoir désenclaver ce jeune public et partager leur savoir avec la communauté. Nous avons déjà entamé une transition numérique et comptons la. C'est le moment un peu technique, mais on va y arriver. Sinon, Guy, peut-être on peut passer à Drancy, puis le temps qu'on cale Maurice Elio. C'était voir la liste des 50 sur les 118. Ça va permettre. Oui, pardon. Il n'y en avait que 47, effectivement. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Bah, oui, sinon, ça déplorait. Oui, oui, d'accord. Oui, j'ai oublié de le dire. Oui, j'ai oublié de le dire. C'est pas 50, c'est 47. 46 même. Eh bien voilà. Ah ben là, il n'y a pas le son. On va y arriver. Trop souvent, c'est le professeur qui fait la visite et les élèves restent passifs. Le lycée Maurice Elio vous présente. Bon, vous êtes prêts, vous êtes sûrs?
Célio vous présente aujourd'hui son projet, élaborer un lien informatique ouvert à tous. Notre établissement, anciennement ZEP, accueille toujours un public mixte souvent enclavé. Toutefois, grâce au numérique, nous espérons pouvoir désenclaver ce jeune public et partager leur savoir avec la communauté. Nous avons déjà entamé une transition numérique et comptons la poursuivre en nous appuyant sur deux dispositifs existants, l'histoire des arts et le projet La biodiversité au quotidien. Le sens de ce projet est de favoriser l'apprentissage de nos élèves en les amenant au plus près des situations étudiées, et cela implique de la mobilité. Nous comptons partager avec le plus grand nombre, notamment en favorisant les productions. L'une des particularités de notre lycée est de proposer la spécialité Histoire des arts. Et l'un de nos constats est que lors des sorties, trop souvent, c'est le professeur qui fait la visite et les élèves restent passifs. Par l'utilisation des tablettes, les élèves feraient des recherches en amont des visites, puis grâce à ce support deviendraient leur propre guide et celui de leurs camarades. Par ailleurs, ils pourraient prendre en photo des œuvres qui leur plaisent et les reproduire ensuite avec l'impression 3D, ce qui leur permettrait de monter à leur tour leur propre exposition au sein de l'établissement. La culture serait ainsi partagée par tous. Dans le même esprit, nous avons déjà développé un projet autour de la biodiversité. Le principal frein à la conscience écologique étant une déconnexion avec le réel, l'un des objectifs de ce projet est de redonner la part belle aux petits invertébrés qui se cachent très souvent et dont le travail est indispensable au cycle écologique. Pour cela, nous menons un travail photographique de ces êtres vivants qui nous permet de les modéliser en 3D. Une imprimante 3D nous permettrait d'aller jusqu'au bout du projet en imprimant des insectes géants et en les exposant. Pour réaliser ces projets, nous devons nous équiper d'un matériel spécifique, notamment pour la mobilité avec une flotte de tablettes. Pour les productions, une imprimante 3D et pour les insectes, un appareil photo macro, sans oublier un petit coup de pouce formation. Nous développerons nos projets pour que la culture soit notre quotidien à tous. L'équipe du lycée, soutenue par son chef d'établissement, vous a présenté son projet Helio, établir un lien informatique ouvert à tous. Merci beaucoup et merci à la région pour ce coup de cœur. J'avoue avoir eu un petit moment de doute quand on n'a pas vu le nom de l'établissement dans la liste. Donc je comprends tout à fait les établissements qui ne sont pas retenus. Nous, ce qu'on a voulu faire donc, au niveau de l'équipe, on a travaillé sur 4 jours en fait, avec M. Poulaillot, qui n'est pas là aujourd'hui. On a voulu se doter un peu plus certaines de nos spécialités, de nos spécificités, donc l'histoire des arts et la STL, en partant du principe que donc, on est un lycée très enclavé, on est assez loin des sorties RER. Donc quand on sort, il faut vraiment qu'on rentabilise les sorties. On a un public qui est anciennement ZEP, avec un afflux d'élèves qui vient pour 50% de REP+. Et donc quand M. Poulaillot dit qu'il faut vraiment connecter les élèves au réel, c'est vrai, dans ma classe de seconde, j'ai une élève qui m'a expliqué que la rosée du matin, c'était du vin. Et ils sont vraiment très très déconnecté du réel pour un certain nombre. Donc les petits invertébrés avec l'enthousiasme de Monsieur Poulaillot, c'est pas une blague, c'est vrai et c'est un vrai support d'apprentissage pour les élèves. Quant à l'organisation d'expositions propres au lycée, c'est aussi une manière d'inclure les parents dans la vie de l'établissement et c'est un gros point d'appui pour nous dans un établissement qui est plus sensible au phénomène de radicalisation ou à une coupure avec les parents d'élèves parfois qui ne se sentent pas à l'aise dans ce cadre très contraint, trouver des occasions de partager différemment avec les parents d'élèves, c'est une bonne chose pour tous. Merci. Alors notre établissement est un petit lycée, il fait moins de 600 élèves. Donc merci à la région, parce que nous avons besoin d'être plus attractifs et que ce projet va vraiment nous aider dans cet objectif que nous sommes fixés. Merci. Merci à vous. Et donc le dernier projet, Drancy, Eugène Delacroix.
Et donc, Monsieur Gloméro pour le lycée Eugène de la Croix. Merci en effet de votre accueil. Merci pour cette reconnaissance qui vient globaliser et puis peut faire la synthèse de l'ensemble des objectifs qui ont été visés, où il s'agit pour nous de donner du sens aux apprentissages. Donc c'est un lycée qui s'inscrit dans un campus de 2500 élèves dans lequel nous devons révéler tous les potentiels de nos élèves, lycée classé en ZEP, et pour lequel leur imagination étant débordante, il faut être à la hauteur de leurs ambitions de sauver le monde et la planète. C'est assez d'actualité en ce moment, donc on ouvrira à la rentrée un espace permaculture, parce qu'on a de grands espaces, un poulailler, ce qui fait de nous le premier lycée polyvalent, un espace aussi avec des ruchiers, c'est pas le premier d'ailleurs, je pense qu'il y en a d'autres, et je les salue au passage. Et donc on est passé progressivement d'une volonté de Fab Lab, une culture de Fab Lab avec faites-le vous-même, à une volonté de Lab de l'Axe, c'est-à-dire le laboratoire informatique, avec mobiliser les adultes et apprivoiser les élèves pour leur permettre de révéler leurs idées, la possibilité dans un premier temps de dématérialiser, c'est-à-dire on est parti du principe suivant qui consiste à dire, pour faire venir les collègues, de ne pas l'associer à une approche matérielle. Bien entendu que le matériel va être à un moment une source de réflexion et d'investissement, on range du matériel. Voilà, on a voulu que ce soit dématérialisé et même dans le concept. Ensuite, on est passé tout naturellement en répondant à cet appel d'offres, cette proposition de candidature, à des propositions qui viennent de collègues qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des personnes maîtrisant les savoirs et les techniques des nouvelles technologies, qui n'ont plus rien de nouveau maintenant, mais en faisant en sorte de permettre aux collègues qui ont la volonté de faire certaines actions, de vouloir les transformer et les habiller avec du numérique. Le numérique étant un prétexte pour arriver à autre chose. Voilà, je remercie bien entendu la région et vous tous pour avoir fait bon usage de ces outils-là. Merci en tout cas. Alors, juste pour préciser sur ces quatre lycées qui ont été vus un peu d'une manière différente, ils ont un petit quelque chose en plus. On va les accompagner un peu différemment. On a trois médias qui nous accompagnent, l'AEF, Ludovia Magazine et Éducation et Territoire. Dans l'année, on reviendra vers ces lycées pour montrer ce qui s'y fait et comment le projet avance. Donc c'est un peu le bonus, ce qui ne veut pas dire que pour tous les autres, on ne cherchera pas du tout à savoir ce que vous faites. On en reparlera, ça va alimenter évidemment la deuxième année des journées franciliennes du numérique. Ce que vous aurez fait, ça sera la matière de nos futures journées. Voilà. Alors je vais laisser peut-être Patrick conclure. Non, mais je crois qu'on a déjà dit effectivement qu'on était ravis qu'il y ait une si forte participation, que l'année prochaine, on espère que ce sera encore plus intéressant que cette année encore, si c'est possible. Et simplement, je crois que voilà, on vous souhaite bon courage, on va vous accompagner, comme l'a dit Pascal, autant qu'on pourra le faire. Et je crois que peut-être une petite photo des lauréats serait peut-être sympathique. Et après, d'ailleurs, j'aimerais bien aussi que l'équipe de transformation numérique du Pôle lycée vienne aussi sur la photo, parce que dans le cadre notamment de cette semaine du numérique, ils ne comptent pas leurs heures. Donc là, il faut peut-être aussi j'aimerais bien qu'on puisse les applaudir aussi. Qu'on s'installe, un dernier point, tout ce qui s'est passé ce matin a été filmé par l'excellente équipe du lycée Raspail. Ça a été diffusé en direct sur Renater, sur le système vidéo du rectorat de la Académie de Paris.
D'autre part, on a enregistré tout ce qui se passait, on va le rediffuser, on le déposera à un endroit à peu près correct et on vous le diffusera. On fera un article là-dessus sur le site vitrine de monlycée.net, dans lequel on reprendra tous les diaporamas que vous avez pu voir ce matin, la vidéo de ce qui s'est passé ce matin, et puis voilà.